L'obscurité, le noir total. Alors que la dernière armure a été détruite, une véritable ténèbre s'est abattue sur vous. Même Dagnus, pourtant nain, qui voit dans l'obscurité, ici ne voit rien. Non, ce n'est pas une ténèbre naturelle. Vous restez de longs instants dans une sorte de ténèbres qui semble même aspirer les sons. Vous vous demandez peut-être même pour certains, est-ce que vous êtes mort? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Puis, soudain, vous entendez un son éloigné, un peu étouffé. Peu à peu, la lumière revient. Les torches éternelles de la salle rééclairent peu à peu autour de vous. Cette couche de ténèbres disparaît. Vous retrouvez dans la salle où vous avez combattu les armures, toujours il y a des débris autour de vous, vous êtes tout cela. Et vous entendez cette sorte de mélodie un peu étouffée qui semble venir de derrière l'une des portes au sud. On dirait bel et bien une boîte à musique. Partorag, qu'est-ce que c'est que cette diablerie? C'est derrière la porte d'où on vient? Non. Non, on est vers la porte à droite. Ouais. La porte qui était à l'est. Donc vous avez deux portes au sud et une porte au nord. On vient de l'est, c'est ça que tu viens de dire juste à l'instant. On vient de l'est. Oui, vous venez de l'est. Ouais. Okay, est-ce que le trône est complètement brûlé ou est-ce qu'il est encore utilisable? Ah, si tu essaies de te rasseoir dessus, je te lance un sort. Écoute, il est bien cramé là, c'est. Bon, il n'y a plus de fauteuil, c'est parfait. J'ai encore une immolation, donc fais gaffe. Il y a toujours l'armature, mais bon, disons que... Ouais, on va plus s'asseoir, quoi, ça n'a plus aucun intérêt. Mais... Non. Et ce bruit de boîte à musique, il vient d'une des portes du sud. C'est ça. Des deux portes du sud. Plus c'est celle de gauche. Droite ou plus celle de gauche, on entend? Celle de droite. Ok. Est-ce que quelqu'un... De visu, la porte est fermée. Oui. Ça sentirait d'aller ouvrir cette porte, là. Derrière et à droite, un petit peu, là. Je proposerais avant, peut-être, qu'on soigne un peu nos blessures. Oui, alors, est-ce que quelqu'un a besoin de soin? Et est-ce que pendant qu'on se soigne, est-ce que je peux lancer une inspection sur la porte de droite? Écoute, oui, tu peux. C'est une porte. La malédiction. Je vais balancer ma canalisation d'énergie positive. Non, mais sur le mécanisme de la serrure. Feuille caractéristique d'abord. Force à 2. Dextérité. Charisme à 8. Moins de 42 contient une fois de vie max. 40, 32. Vas-y, je clique dessus. Actuel BD 42 contient une forme 32 et 10. Apparemment, je suis à 32 sur 42. D'après ce que je vois sur la. On récupérait tous 4 points de vie. 42 contient une forme. Bah, si c'est bien fait le truc. 32 et 10. 42 contient par 2. 32 et oui, pour le coup, c'est bon. Enfin, à ton niveau, 42, c'est 10. Donc, tous 4 points de vie, c'est pas une blague. C'est 30, tous 4 non, points de c'est... vie. Vous reprenez tous 4 points de vie. 42, 32, et 10. Okay. C'est lui, B4. Ah, tu sais, mais vide. Max 2 points de vie plus 4, est-ce que ça fait quelque 6, chose 3, 3, 6. Non, tu dépasses pas ton maximum. Donc, si t'es full vie, ça ne te soigne pas. Daniel Fish de 36, ouais, B10. Je vais en profiter pour me lancer avec ma... 42, 36, B10. Ma baguette de bouclier. D'armure de mage, je vais mettre une armure de mage. J'ai Quelle appris de mes erreurs. Délicieuse idée. Il y a une baguette aussi. Mais qui est encore blessé pour les coups de baguette? Bon, bah moi du ça coup. Va. 36 sur 42, je pense que ça va faire le... C'est bon. Ouais, c'est vrai. Je me dis, s'il y en a un qui est suffisamment fort pour m'enlever 36 points de vie ou plus... Bah l'ombre. Car 6 points, 6 ou plus de moins, ça fera pas trop la différence.
Ça soigne de combien la baguette, j'ai oublié. Un D8 plus 1. Et tu l'as lancé sur Discord. Ah merde. Désolé. Ouais, je dirais que ça vaut quand même le coup de re-soigner Dagnus parce que... Je sais pas, pour 6, je sais pas, c'est peut-être ouais, un peu plus. Surtout que Dagnus il a bu un petit coup de bière un peu en trop, tu vois. Comme vous voulez. Et Eisenhardt, t'as pas pris de dégâts? Bah en fait, les 4 que tu m'as rendu, ça suffisait. Ah, parfait. Tu me soignes que 2? Je vais faire 1 avec la baguette, donc la charge te soigne 2 points de vie. Ouais, donc c'est bien la preuve qu'on peut soigner avec nous. Bah non. Bah du coup, je pense que je vais en mettre un coup. T'es à combien? 19. Sur combien? Sur 31. Ah oui. Tant que t'es en dessous de... Enfin, tant qu'il te demande plus de 9, enfin 9 au moins... Tu penses que j'en fais 2 du coup? Bah pour le moment, faisant 1 et regarde après. Putain, ça me relie pas ce que j'ai fait, c'est pas grave. Il y a flèche, je crois qu'il... Si tu fais flèche haut dans le chat, normalement, ça te remet ton dernier message. Tu peux juste faire enter, ouais. Ça relance. Bien. Soigne de 5 points de vie supplémentaires. Mm-hmm. Tout le monde ou juste... Ça va maintenant, non? Je sais pas. Ouais, ça va. 24, je pense que ça va pas, hein, mais... Au pire... Et 5 points de vie si en plus, c'est pour qui? C'est pour tout je le monde? Je pense qu'on est plusieurs pour... à avoir des potions de soins, non? C'est assez risqué, ce soigne. D'accord, ok. Non, mais c'est plus cher, les potions de soins, que les... Bah oui, oui, mais on est plusieurs à en avoir. Oui, mais je la baguette, elle est moins chère que la potion de soins en termes de... Une potion de soins mineure, si j'ai pas de bêtises, c'est 50 PO. Bah ouais. Moi je me rappelle qu'on va aller affronter quand même un artefact puissant qui va bien nous laminer, c'est quand même bien d'être full life pour tout le monde quoi. Bah non, c'est pas bien dans les jeux d'être full life, c'est pas... faut toujours garder une petite marge. Juste un artefact, c'est pas sûr, on va peut-être tomber sur un espèce de nécromancien salopard qui... D'ailleurs il est en train de jouer de la musique là. Oui. Je vous attendais. Il se disait qu'il est... Jusqu'à ce qu'on arrive, et puis du coup, on va faire exprès de mettre 3 plombes pour l'énerver. Non, mais là. J'ai du piano à pouce derrière la porte. Techniquement, là, ça prend, je sais pas, une trentaine de secondes le temps de faire les soins après. Dagnus, je peux y aller, je pense. Tu peux y aller, ça veut dire quoi ça? Je peux aller ouvrir la porte? En fait, il a décidé unanimement que tu allais ouvrir la porte. Exactement. Ah bah attends, c'est un an. Bon, ouais, moi je décide unanimement, alors dans ces cas-là, que Ceres et Dagnus devraient avoir encore un coup de baguette. Hein. Honnêtement, je suis à 36. Je suis à 36 sur 42. Non, c'est... Ouais. Moi je suis à 25 sur 27. Moi je suis à 22 sur 22. Honnêtement, je pense que ça peut aller. Bon, après, ouais, je pense que ça va. Ok, bah quand vous crèverez la gueule ouverte, ça sera tant pis pour vous. Oui, bah tu t'en feras. Et vous bah, quand tu crèverez la gueule ouverte, et bah je boirai des bouteilles de rosé tout le dimanche après-midi. Rosé. Il va boire rosé, quoi. Des bouteilles de rosé. Le tavernier. Rosé le tavernier. En m'enfuyant, je marcherai sur les doigts, voilà. Toi, tu vas fuir pour la deuxième fois consécutive. Tu te rapproches du titre de Poissegrolle. Ouais, il faut encore en tout cas plus de 49 compagnons. Faudrait qu'on fasse des équipes plus nombreuses. C'est ça, le tarif de groupe. Bon, bah si tout le monde est soigné. Hein, ouais, bah dis. Moi, comme d'habitude, je passe devant et je... Prudemment, je vais ouvrir cette porte là qui... D'où on entend du bruit, la boîte à musique. Tu ouvres donc la pop-up. Il a donné sur une pièce, ma foi, vide de toute présence. Une pièce qui comporte quelques bibliothèques remplies de livres. Il y a également un bureau du genre sur lequel on peut s'installer pour lire avec une chandelle, ce genre de choses. Mais ça a l'air d'être une sorte de petite bibliothèque, alors pas aussi grande et aussi fournie que la grosse bibliothèque sur laquelle vous étiez tous.
Et il y a également une porte dans le fond qui continue vers le sud, une double porte. Et la musique, évidemment, ne vient pas de cette pièce, quand tout le monde... Elle a l'air de venir encore de plus derrière. Par contre, effectivement, en rentrant dans la pièce là, vous entendez la musique un peu plus précisément, un peu plus fort. Et les... le gémissement qu'on a entendu au tout début, on a réussi un peu à le localiser ou... Le ? On n'a pas entendu un bruit qui... Non, c'était juste la musique ? Oui. Ah, je sais pas, je me suis imaginé un gémissement. Il n'y a pas de gémissement. C'est toi qui as dû gémir de peur, je pense. Pas essayer de fouiller cette pièce un petit peu plus en profondeur avant d'aller ouvrir l'autre porte, là ? Je ne voulais pas qu'on regarde les autres portes avant. Les autres portes de la salle. Disons que je me suis mis un pot en fer, donc moi j'aimerais bien du combat. Je sais pas, vous pas rater un indice intéressant, un truc important, je sais pas. Ça dure combien de temps ta pot de fer ? 4 minutes. Ah, bon. Ouais, ça va être dommage. Oh. Si on fait vite. Bah après ça dépend si vous tombez sur un combat. T'as qu'à y aller, hein, vas-y. Vas-y, pense. Cours dans le manoir tout seul, on te regarde. Au pire, va voir si la musique ça a pas réveillé ce qu'il y avait dans le tombeau. Avec un peu de chance. On voit rien sinon dans la pièce en fouillant. Bah si tu regardes un petit peu les tranches des livres dans les bibliothèques présentes ici, tu vas voir que c'est surtout des livres d'histoire, des romans, ce genre de choses. C'est plutôt de la lecture de divertissement ou d'instruction, d'éducation, si on peut dire. C'est pas de la lecture de chasseurs de monstres comme dans l'autre bibliothèque, quoi. C'est vraiment la lecture, on va dire, plus standard qu'on trouverait dans une bibliothèque. C'est la bonne idée de se coucher. Exactement. Est-ce que visuellement, on voit la peau en fer se dissiper petit à petit, non, ou pas? Écoute, si tu vas regarder sous les vêtements d'Eldrad, peut-être. T'as une robe, Eldrad, ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as une robe ou pas ? J'ai une chemise de maille et dessus, ouais, un peu une robe. Au pire, t'as juste à passer entre ses jambes. Hein. Ouais, non, mais il y a plusieurs couches de vêtements, quand même. Il y a déjà très certainement des vêtements sous la chemise de maille, ensuite il y a la chemise de maille, ensuite il y a quelque chose par-dessus. C'est ça. Parce que t'as pas envie d'avoir une chemise de maille posée sur la peau directement. Est-ce que la double porte, les gonds sont de ce côté de la pièce ? Oui. Bien. Elle est ouverte, c'est normal, finalement. Non. Ah. Ouais, tout là. C'est pas très grave. Mais... Ok. Effectivement, je vois qu'il y a pas le truc qui masque. Donc les gonds sont de notre côté de la pièce. La porte s'ouvre de votre côté de la pièce. Oui. Eh ben moi je m'approche de la double porte, je l'ouvre, mais en tirant le bâton pour rester toujours protégé par le bâton. C'est toi qui ouvres. Du coup tu vas être battu par le bâton. Oui, mais au moins si je meurs, ça sera juste par un bâton. Et c'était piégé. Le bâton. Mais peut-être que ce bâton il sera con, du coup tu vas mourir à cause d'un combattant. Ah ouais. Bravo! Bravo! Et derrière cette porte, on voit toute une étagère pleine de bouteilles de rosé. Alors, oui, mais non. Ah, dommage. Je parie qu'on va voir un lit. Dans une. Oui, bah, ça c'est facile, toi, tu vois. Et un globe. Vous tombez dans une grande chambre confortable. Qui semble clairement être celle du seigneur des lieux, on va dire. On y trouve de nombreuses commodes, hein, dont les portes de certaines sont ouvertes. On y voit surtout des vêtements nobles et plutôt de femmes. Il y a un grand lit à baldaquin qui possède de belles soieries et des oreillers brodés qui... se trouve dessus. On trouve également dans cette pièce un bureau disposant du nécessaire pour écrire. Donc plume, encrier, tout ça, des tiroirs. Il y a également un seau qui est disponible sur le bureau, hein, pour tamponner les trucs. Il y a vraiment tout le
le matériel hein, d'écriture standard, on va dire, de personnes. D'ailleurs, ce bureau, ce qui attire aussi l'attention, c'est une grande peinture. Vous avez déjà eu des tableaux, mais celle-ci est assez grande, qui représente une femme aux traits chédaxiens, et d'ailleurs aux traits qui sont assez proches de ceux de Victoire. Alors, c'est clairement pas elle, mais il y a des similitudes. Elle est aussi accompagnée d'un homme au teint pâle, et tous deux sont en armure et semblent être en train de combattre contre une horde de loups-garous. Là, c'est ce qui est représenté sur la peinture. Au sud, on trouve un petit coin confortable qui, si les fenêtres n'étaient pas actuellement barricadées par d'épais volets d'acier, permettrait d'observer la région et ses environs. Et d'ailleurs, une magnifique boîte à musique en argent, sertie de pierres précieuses, se trouve sur l'un des fauteuils. Et c'est alors que vous rentrez dans cette pièce et peut-être que vous commencez un peu à vous approcher que la mélodie s'arrête. Voilà la pièce dans laquelle vous arrivez. Je vais en profiter juste pour voir s'il y a des documents, quelque chose sur le bureau. S'il y a des papiers, des écritures, des notes que Victoire aurait laissé avant de partir. Tu vois qu'il y a 2-3 papiers, 2-3 lettres, mais visiblement ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe ici ou quoi que ce soit de vraiment intéressant. Moi, je lance détection magique. Moi, présence maléfique. La boîte à musique est magique. C'est moi ou cette maudite musique a cessé depuis qu'on est rentré dans la pièce? Et niveau présence maléfique, rien? Non. Ok. Et niveau inspection boîte à musique, est-ce que j'y trouve un mécanisme, une serrure, juste un truc pour l'ouvrir? Bah là, elle est ouverte, du coup, comme elle était en train de jouer. Donc, la boîte à musique, c'est comme un petit coffret, donc... c'était ouvert avec le truc en, le mécanisme en train de jouer. En fait, c'est le genre de boîte à musique que quand tu l'ouvres, ça lance le mécanisme, en fait, simplement. Et du coup, tu vas la manipuler, la boîte à musique, Asilio? Ah non, je l'inspecte de loin. Ah mais tu sais, après, c'est de la joaillerie fine, donc faudra inspecter de près. Si tu veux, je t'assiste divinement pendant que... Moi, je dis qu'il y a tellement de près qu'il faudrait même que tu ailles mettre tes yeux jusque sur le mécanisme. Tu peux nous inspecter ça de plus près, histoire de nous faire venir 2-3 ombres supplémentaires. Tu peux l'inspecter en t'asseyant dans le siège. Ah, moi, je vais m'asseoir sur le lit. Oh là. Il est très confortable. Et ta vision s'obscurcit. Et... Alors, il y a, des bulles. Je mets la tête sur l'oreiller. C'est très confortable. Parfait. Est-ce qu'il y a des tiroirs comme ça dans le bureau? Et du coup, comme t'es quelqu'un de peu poli, tu mets de la boue partout avec tes grolles dégueulasses sur le lit. Livon, rentre chez vous, il pétrote et fout dans votre frigo. Le gnome Azelius. Bon, bah, s'il faut se dévouer, il faut se dévouer, hein. Je ne me lève pas du lit, après tout, j'y suis. Je lance manipulation des objets pour ramener la boîte à musique à moi. Mais il faut qu'elle pèse moins de 500 grammes. Oui, ça, ce sera le cas. Alors, je la ramène à moi. Très bien. Bah, écoute, c'est une très belle boîte à musique. En argent, certes, pierre précieuse. Bah, je la ferme, je la réouvre. Et bah, la musique se relance. Y'a rien d'écrit dessus, dedans.
Non, absolument rien. Y a pas un double fond pour l'ouvrir, enfin, non, pas du tout. Par contre, bon, là, t'as relancé la boîte à musique. Et que, bon, les autres regardent un petit peu la pièce. Toi, tu regardes cette boîte. Il y a la musique, en tout cas, qui tourne. Puis, tous, vous allez vous sentir un petit peu comme apaisé. Ah. Vous reprenez tous 8 points de vie et vous guérissez d'un point d'affaiblissement temporaire. Si vous avez un affaiblissement temporaire. Ah. Enfin, juste, t'en as un en force. 8 points, tu m'as dit ? Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un qui guérisse. Oh bah voilà, bon. Zenius, pourquoi faut pas se remettre full point de vie. Bah c'est bon, je suis full alors. 8. 36 B10. 0. 36 B10. C'est QFD. Franchement. Cellule B10 6. Vide, vide, 6, 3. Tu t'attendais pas à ça tout simplement, hein. Tu t'attendais plutôt à... C'est parfait. Vous prenez tous 1 point d'affaiblissement. Vous prenez tous 8 points de vie. Oh merci. Il faut toujours avoir une petite marge au cas où. Voilà. 42 B10. Moi c'est bon, je suis full. Bah écoute... est-ce que t'as envie que je te blesse un peu vu qu'on doit pas tous être full PV alors selon ta théorie pour garder une petite place. T'as pas compris l'idée. L'économie l'idée. Est-ce qu'on peut fouiller un peu la pièce, je sais pas, ouvrir des tiroirs Là j'avais demandé si il y avait des tiroirs dans le bureau. Ouais. Bien sûr. Bah, on peut les ouvrir pour trouver, je sais pas, potentiellement peut-être une clé, quelque chose. Vous commencez un petit peu à fouiller la pièce. Bon, dans le tiroir, dans les commodes, hein, vous allez trouver des choses finalement très lambda, hein, qu'on trouverait dans une chambre. Dans le tiroir, il y a du papier vierge, il y a de l'encre, il y a de quoi faire la cire pour faire les cachets avec le seau. Enfin, il y a du matériel, il y a peut-être quelques documents... Rien de particulièrement étonnant ou qui attire particulièrement l'attention. Gros, cette pièce, elle sert à fichtrement rien, du coup. Bah, c'est une chambre, quoi. Et sous le lit, sous les oreillers, non, y'a rien. Non plus. Est-ce que le globe est un globe tout à fait normal ? Ah, c'est un globe, du coup, du monde. C'est un globe de Golarion, ouais. Il y a effectivement un globe. Ouais. C'est de le manipuler pour voir s'il n'y a pas une touche cachée dedans qui s'ouvrirait. Bah écoute, il tourne. Il a l'air assez ancien. Ça grince un petit peu d'ailleurs quand tu le fais tourner. Mais tu vois pas de compartiment secret ou de particularité. On devrait peut-être chercher les autres portes du coup. Ouais, parce qu'on retiendra quand même qu'il y avait de la musique. On est rentré dans cette pièce, la musique s'est arrêtée. Et une armure aussi. Plus d'armure, on les a toutes pétées. Ah, c'est vrai, je regarde en bas à gauche à côté du globe. Ah, si il y a une armure, oui, on la désarme. Non, il y a une armure sur un. Ah, elle est désarmée maintenant, c'est important. On peut toujours aller, oui, checker les autres portes de la grande salle, du coup, pour voir si... Cette armure-là, par contre, ressemble beaucoup à l'armure de la dame sur la peinture. Ah. Uh-huh. Ah. Mais du coup, elle a l'air... C'est pas juste une armure décorative ? Non. Hein ? Et pas magique. Non. C'est une armure de maître. Une armure de plaque de maître. Hein ? C'est un harnois, c'est ça ? Mm-hmm. Non, une armure de plaque complète de maître. Est-ce qu'on a un peu l'enfiler ? Ouais. Pour Dagnus, après, faudrait l'ajuster, c'est ça ? Bah après, clairement, cette armure-là est très ciselée pour une femme. Donc, c'est vraiment pas à taille. Peut-être pour dire que... Il se sent plutôt homme que femme. En tout cas, je suis pour dire qu'il est 4 fois plus large que la femme qui portait cette armure. Et on peut pas l'ajuster à un forgeron, un truc comme ça. Si, une armure de plaque de maître, c'est moins efficace qu'un harnois, non, je crois. Ouais. En plus. Ouais. En plus. Donc...
Autant vous dire que quand mon regard se pose là-dessus, il ne s'attarde pas, quoi. Une belle armure demeurant, mais... Voilà. Juste faire un... Même si ça sert pas à grand-chose, peut-être un test de noblesse pour savoir si la les personnes sur le tableau, ça me parle. Si enfin... Je sais qu'ils font partie de cette famille, hein, je suppose qu'ils font partie de cette famille, mais savoir si c'est par exemple leur fondateur ou un truc comme ça. Je crois que tu avais déjà fait un test de noblesse pour le nom de la famille, puis tu connaissais ça très loin. Je les connaissais de nom, comme ça je savais qui c'était. Donc tu sauras pas reconnaître ces personnes. Tu sais juste déjà à peine de nom qui c'est, tu n'arriveras pas à reconnaître précisément. Ok. Sur ces personnes. Mais bon, ton intuition peut te dire que si on les a représentés en peinture ici, c'est qu'ils devaient être relativement importants. C'est sûr qu'ils n'ont pas fait des peintures de leur serveur, quoi. Le serveur de l'extrême. C'est une peinture où tu vois le serveur en train de t'apporter ton petit cocktail en esquivant des hordes de zombies. Ça, ce serait épique. Eh mais ça vaut cher, du coup, une armure de plaque de maître, non? Ça vaut le prix de l'armure de plaque plus 150 PO. Bon, après... 750. Ça vaut cher, mais bon, on va pas se trimballer avec ce qui vaut cher. Ouais, c'est ça, Et puis, gros, c'est un peu... On va revenir vers Victoire, on n'a rien trouvé dans le manoir. On va pas la piller, non? Bah, écoute... Sait-on jamais si ça l'intéresse pas de récupérer tout ça, qu'elle est d'accord pour qu'on vende, pourquoi pas hein. Récupérer, techniquement c'est à elle, donc elle récupère rien. On va lui rendre. On peut prendre pour lui rendre. Perdu. Surtout on savait pas si c'était à vous ou pas, du coup on s'est permis de le prendre quand même. En termes de dimension, c'est proche de ses dimensions en plus. Visiblement, excuse-moi, si elle avait envie par elle-même de récupérer des choses qu'il y avait dans ce manoir, elle aurait pu le faire. Bah, clairement, elle a à peu près la même carrure que la femme sur la peinture. Quand tu regardes l'armure, oui, elle y irait très certainement dedans, oui. Autant lui laisser si jamais elle décide de reprendre le flambeau un jour. On n'a pas fouillé cette pièce intermittente entre la grande salle et puis la chambre. On l'a pas fouillé. Regarde un peu, c'est là où il y avait des livres, des romans, des trucs d'histoire. Ah oui, ok. Ouais. Mais nous, si tu veux faire l'autre porte. Juste, tu fais quoi avec la boîte à musique là? Elle a fini de tourner. Touche plus à cette boîte. On a perdu Zélius. Non, parce que chacun va dire que là, vous ouvrez une boîte à musique, d'un coup, vous vous sentez apaisé, vous récupérez des points de vie, mais il n'y a personne qui se pose la question, quoi. Il y a une formation qui est une boîte à musique, vous voyez qu'elle était magique, mais encore une fois, personne ne se pose la question. Cette boîte est toujours une boîte, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est toujours une boîte magique, oui. Je note que vous êtes très curieux, c'est tout. T'avais pas dit qu'il n'y avait pas de magie autour de la boîte? Si, il a dit qu'il y en avait, justement. Ah, j'ai pas vu beaucoup l'inverse. Maléfique, qu'il n'y avait pas de maléfique. Il m'a demandé pas une présence maléfique, toi. Ah, j'ai compris qu'il n'y avait pas de magie, du coup. La boîte à musique est magique. Bah, sinon, comment elle nous aurait soignés? C'est ça que j'ai pas compris, mais ok, d'accord. Et du coup, on peut essayer de manipuler cette boîte pour savoir sa magie, ce que c'est. Ouais, voilà, art de la magie, moi aussi, j'ai ça. Azélius, est-ce que tu nous entends? On a perdu Azélius. Ouais, bah, il est resté couché sur le lit, s'est endormi. Ouais. Avec sa boîte à musique. La petite berceuse. Azélius! Un peu distrait, Pierre, aujourd'hui. Un petit peu distrait, oui. Laisse donc cette secrétaire faire son travail. Du coup, je vais balancer l'assistance divine avant de faire un test d'art de la magie. On peut faire ça? Tu peux. On peut. Plusieurs peuvent le faire, ce test. Oui, bien sûr. Ah, c'est pas... Bon, je peux te mettre aussi à l'assistance divine, alors, si tu veux le faire. Par contre, vous pouvez faire une inspection sur un objet donné qu'une fois par jour. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez réinspecter l'objet, il faudra attendre le lendemain. Vous pouvez le faire plusieurs, mais là, par exemple, vous avez fait tous les deux DG misérables. Oui. Du coup, vous savez absolument pas ce que c'est. À la rigueur, Eisenhorn, toi, tu remarques une aura d'invocation
sur la boîte à musique, mais c'est tout. Ouais, je vais faire un test de l'art de la magie aussi. Après, il a 15 parce qu'on lui met un plus 1. Mais... Oui, oui, c'est bon. Pour identifier un objet magique, si tu veux, c'est 15 plus le niveau de lanceur de sort du truc. Donc, Ah, du coup, j'étais pas loin. Ça dépend du niveau de lanceur de sort du merdier, quoi. Je veux bien le bonus aussi, parce que je vais lancer de la magie. Ouais, bon, le merdier. Le merdier, c'est la boîte à musique, c'est ça? Oui. Ouais. Donc, je considère que j'ai un plus 1. Vas-y, vas-y. Ouais. Ah. Marche déjà mieux. Oui. Du coup, effectivement, tu as plus de précision sur cette boîte à musique qui a effectivement une aura d'invocation de guérison. C'est une boîte à musique, alors c'est un objet magique un peu particulier qui, en gros, de ce que tu en comprends, écouter sa musique pendant, enfin jusqu'au bout, en fait, du début à la fin, ce qui prend à peu près une minute, une à deux minutes, pas vraiment faisable en plein combat, soigne tous ceux qui écoutent, du coup, bah, comme avec un soin léger, un D8 plus 1, et leur enlève un point d'affaiblissement temporaire. Sachant qu'on ne peut être affecté par cet effet qu'une fois toutes les 24 heures. Ouais, c'est quand même... Vous pouvez l'utiliser une fois par jour. Pour on peut faire tourner la musique en boucle. Ce serait marrant qu'on l'utilise durant un combat pour se soigner. Est-ce qu'on peut la piquer et la prendre avec nous, cette boîte à musique? Je suppose que oui. Bah bien sûr qu'on va la piquer et qu'on va la prendre avec. Non, il n'y a pas trouvé une boîte. Oh, mais je demande ça comme ça. Je crois voilà, qu'Azélie ne s'était même pas posé la question. Elle voilà, a juste trouvé. Bon, non, elle est bien, hein, c'est cool. Elle est bien, moi, je propose qu'on la pique. On la prend. Mais par contre, ce que je trouve inquiétant, c'est que la musique se soit déclenchée pile après l'ombre. Ça veut dire qu'elle s'est soignée elle aussi. Par exemple, on ne voit pas d'ombre. On fera face que quand, on sera face à... quand l'ombre se manifestera. On vous attend de pied ferme, Madame l'Ombre. Bon, bah, on l'ajoute à l'inventaire. Enfin, moi, je suis d'avis de la prendre. Hein. Oui. Ouais, je suis d'avis de la prendre aussi. Du coup, c'est qui gère ça? C'est des flammes? Mmh. Ouais. Boîte à musique. Boîte à musique d'apaisement. C'est là, je propose qu'on la montre pas à Victoire et Arlis, qu'on lui propose pas. Est-ce que vous voulez la récupérer? Non, je pense qu'on la garde pour nous, tu vois. Bah, honnêtement, je pense que si je lui en parle, elle sera d'accord. Non, non, moi j'ai d'autres choses à montrer à Victoria Arlis quand on la reverra. Ah, si, j'ai des petites choses à lui montrer. Je pense surtout à la lettre du. Choses, j'ai pas oublié la lettre que j'ai récupérée du monsieur à l'entrée moi, près des gargouilles qu'on a retrouvé. Je pensais faire une sorte d'hélico vite sur la table devant elle. Non, non, je voulais lui montrer mes fesses. Mais qu'est-ce que vous avez contre elle à la fin? Moi rien. Bah, elle rien nous a pris pour des incapables. Ah, elle, bon, faut dire aussi que t'as été tellement diplomate avec elle. Hein, c'est... Salut connasse. Alors comme ça, c'est à cause de toi que c'est la merde, hein, salope. Je suis le plus diplomate du groupe. Ah, j'avoue que la diplomatie était à son maximum. Hein. Ah bah j'avais perdu le bonus, hein. Ça a duré que pendant une minute, le temps que je lui dise bonjour. Donc, voilà. En fait, ça a duré pendant une minute, ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'après ça te mettait un malus de 20 à la diplomatie. C'est ça. Bon, on se barre? Ouais, on va dans la pièce à la gauche, là. Vous allez dans celle de gauche. Est-ce que les gonds sont apparents? Elle s'ouvre de votre côté, tout à fait. Ah, quoi que non, celle-là, j'ai des conneries, elle s'ouvre vers l'intérieur. Ah, bah... Pas très chier, ouais. Bah, je sifflote en attendant. Et d'ailleurs, c'est même écrit sur la porte, cette porte qui contient un trésor inestimable ne peut être ouverte que par un gnome.
Bah, je sifflote et je dis, vous avez pas vu Agno. Qui s'y colle, du coup, à cette porte-là? Nous avons un nain expert en porte, si je ne m'abuse. Oh, plus merde, j'y vais, voilà, j'ouvre la porte. Vas-y. Très bien. Bah. Cette porte était piégée. Ce serait tellement beau. Ouais, moi aussi, ça me rendrait du rêve. Et était, ça veut dire qu'elle ne l'est plus. Bah oui, parce que le piège est déclenché. Oui. Du coup, elle n'est plus piégée, vu que le piège est déclenché. Alors, tu ouvres cette porte qui va donner sur une grande salle à manger, qui est, ma foi, joliment décorée de quelques tableaux, une armure décorative, et elle comporte, ma foi, une grande et longue table, ainsi que de nombreuses chaises élégantes. De l'argenterie se trouve d'ailleurs encore sur la table, comme si le dîner allait être servi pour une personne, a priori. Enfin, il y a de l'argenterie pour une personne. Quoi ? Ça, c'est pour une personne, ce qu'il y a sur la table ? Oui, alors, le visuel de la map n'est pas forcément contractuel. Ah, le MJ, il fait aucun effort aussi. D'accord. Non, mais je... Du coup, la pièce comporte également une cheminée, ainsi que la décoration, et ça spécialement pour les jeunes hortes, la plus importante et impressionnante. Une créature empaillée, tentaculaire, aux nombreux yeux au bout de ses tentacules, des yeux qui sont clos, et à la grande gueule béante garnie de crocs acérés. En tout cas, on dirait sa tête. Donc en gros, il faut imaginer, c'est une tête énorme. Donc le truc est plus grand que vous, hein. C'est aussi gros qu'un cheval, peut-être. Qui est donc juste une grosse tête avec un énorme œil et une grande gueule béante. Et en fait, sur toute la tête, il y a tout plein d'espèces de petits tentacules avec des yeux au bout. Bon, tous les yeux sont clos, mais il y a ça qui est accroché au-dessus de la cheminée. Est-ce qu'on peut faire un test pour savoir ce que c'est ou on sait ce que c'est ? Test de connaissance mystère. Est-ce que je peux avoir le bonus de plus 1, s'il vous plaît ? Non, pas sur les connaissances. Pourquoi pas ? Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est vrai. Je crois savoir ce que c'est, mais je ne suis pas sûr. T'as aucune foutue idée de ce que c'est. D'accord. Ah, même avec un plus 1 ? Même avec un plus 1. De toute façon, il ne peut pas rappeler. Ah oui. Ah, c'est un peu... Visuellement, pour vous deux, je vais vous montrer une jolie image de la créature, vous allez voir, c'est charmant. Pif, paf. Je la mets sur le Discord. Ah, c'est où là ? Ah, mais je sais ce que c'est ! Beholder. Alors, effectivement, on peut facilement savoir ce que c'est, juste en disant que c'est une grosse saloperie. Ah, ils étaient forts ici, dis-donc, pour battre ce genre de choses. Tu me dis, tentaculaire, il y a des tentacules, il y a quoi, enfin, c'est... En fait, c'est, tu imagines une grosse boule. Grosse boule, d'accord. Sur laquelle il y a un énorme œil, une grande gueule garnie de crocs, et tout plein de petits tentacules au bout desquels il y a des yeux. Ah, non, d'accord, oui, effectivement. Heureusement qu'elle est empaillée parce qu'on n'a pas de japonais. Oui, effectivement, beholder. Ok. Je vois tout à fait. Est-ce qu'on a la certitude qu'elle est empaillée, quoi ? Est-ce que c'est vraiment. Écoute, vu que tu m'emmerdes, elle va se mettre à bouger, à claquer les dents et te regarder. Non, parce que concrètement, à notre niveau, si ça s'anime ce genre de truc, on est dans la merde, quoi. Donc, non. Oui, et sans s'animer, vous seriez déjà mort. Oui, ok. C'est bon. C'est un tyran en français, non ? C'est quoi, genre ? En français, ça s'appelle un tyranneuil. Oui. Ah oui, tyranneuil. Ouais, c'est pas un tyran d'avoir un truc comme ça dans le jeu. On a pas le niveau. Hein. On est quand même concrètement dans la merde. C'est un tyranneuil. Ouais.
Oui, c'est. Et puis en plus, celui-là a l'air. Enfin, il est gros. Bon, en plus. Techniquement, vos persos sont pas au courant parce que les jets de connaissances a été foiré, mais en plus, c'est un taille adulte, donc. Une autre petite image toute sympathique où on voit un peu le différentiel de taille avec des humains. De toute façon, il est empaillé. C'est bon. Il est empaillé. Zélie, si tu veux, il y a 12 sièges. Tu veux essayer de dans la pièce. Tu ne vois rien de magique. Et si on est 12 et qu'on arrive à tous à s'asseoir dans tous les sièges en même temps, ça réveille le tyrannoï, mais on n'est pas 12. Donc c'est bon, personne ne pourra. Bon, c'est bon, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est risqué, il y a une armure à désarmer. Ah oui, moi si je vois des armures, je les désarme. Et donc il y a une double porte aussi. Ah. Et ici une double porte, c'est ça? Ouais. Et la créature, elle est où? Elle est au-dessus de la cheminée. Ok. Il faudra passer devant elle, de toute façon. Oui, mais tu vois, je peux passer par là, tu vois. Comme ça, je passe le plus loin possible. Tu l'observes en coin d'œil, tu as presque l'impression que ses petits yeux clos frémissent. Je sais pas, on va de l'autre côté? Ouais. Vous ouvrez la double porte ? Ouais. Du coup, effectivement, vous ouvrez la double porte. Et là, vous sentez la fraîcheur. Certainement la fraîcheur de la mort due à l'éveil du tyrannoï. Non, pas du tout. La fraîcheur du dehors, puisque ça donne sur un balcon. Balcon qui tourne. Tu me passes à travers. Quand vous aurez fini de vous passer à travers. Écoute. On voit rien sinon en regardant vers le bas. Excepté l'horizon, non, vous voyez rien de particulier. Toujours assez sombre, alors. Ça n'a pas changé. Ah oui, bah ça c'est une info aussi bonne à prendre parce qu'avec l'ombre qu'on venait de combattre, vous pouvez se demander s'il était passé quelque chose. Je retourne dans la pièce centrale. Ouais. J'imagine qu'il y a encore une porte qu'on n'avait pas essayée. Il y a la porte en haut qui mène au nord. Exactement. La troisième. Elle est où? J'arrive pas à la voir. Elle est ici. Il sait qui ouvre cette porte. Ah, quelqu'un l'a déjà ouvert. Oui. D'ailleurs, cette porte, vous allez très clairement voir ce qui s'apparente une cuisine. À des cuisines, les cuisines du domaine. Donc, on voit qu'il y a tout le matériel nécessaire. Il semblerait que quelques préparations aient été laissées en plan à l'abandon et que des gens soient partis vite. Mais bon, en regardant, la cuisine contient vraiment, ma foi, tout ce qu'il faut pour préparer de nombreux repas en termes d'épices, trucs qui pendouillent, entre des saucissons, de l'ail. Enfin, il y a vraiment plein de choses de cuisine, ma foi, très standard. La cuisine est bien équipée. Enfin, on a une cuisine qui doit permettre de faire quelques très bons repas. Et il y a aussi une porte dans cette cuisine, n'est-ce pas, ici? Ça, c'est quoi? Ainsi qu'une porte là aussi, ouais. Il y a deux portes, même. Effectivement, t'as avancé, tu remarques qu'il y a deux portes dans la cuisine. Donc, une porte qui va au nord et une porte qui repart vers l'est. Vous voulez plutôt aller au nord ou à l'est? Bah, le nord, parce qu'à l'est, ça nous fait revenir en été. Possible. Bah, il y avait une double porte qu'on avait manqué. Il y avait une double porte, c'est au bout de l'allée là, qu'on a manqué, donc normalement ça devrait rejoindre, je pense. Ouais, normalement, à moins qu'il y ait un petit garde-manger derrière. Enfin. Je sais pas. Et il n'y a rien à manger sinon, qui est encore frais. Il y a du saucisson! Disons, dans les préparations, non, mais effectivement, t'as de l'ail, t'as du saucisson qui pend, enfin, tu sais, des denrées qui périssent pas comme ça, tu vois. Tu peux choper quelques trucs à manger, oui.
Il y a du rouge. Bon. Oui, il y a des bouteilles. Bien sûr. Un bon petit steak d'aloyau qui traîne. Alors non, ça y est. On peut se faire un petit apéro là. On prend ce qu'il faut et on va manger devant l'œil. Petite bavette là. On va manger à l'œil carrément. Petite grillade de porc là. Le regard de l'œil. Vous allez voir la porte nord. Ouais. Oui. Qui ouvre la porte? J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. C'est l'ouvreur. C'est l'ouvreur de place. Alors, tu vas découvrir quelque chose d'intéressant dans cette pièce. À première vue, cette pièce n'est rien d'autre qu'une réserve. Elle contient ma foi, des tonneaux de vin ainsi que d'autres denrées non périssables. Par contre, il y a le corps d'un homme qui gît au sol. Les cheveux blanchis par la terreur, par la peur, avec une expression de terreur sur son visage. Ce dernier tient fermement dans sa main une petite boîte d'airain ouverte, décoré de symboles que toi tu reconnais tout de suite, ce sont des mots nains, des runes naines. Ah! Moi aussi je sais lire le nain. Un nain sait mieux lire le nain que quelqu'un qui n'est pas nain. Faisons un test. Bien. Et alors qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Mais écoute, tu regardes un petit peu la boîte. En fait, il n'y a pas du texte qui est écrit en soi, hein, tu vois des runes, mais en fait, c'est par côté de la boîte, il y a une rune qui signifie en fait simplement un terme. Donc tu vas y trouver des termes comme protection, quarantaine, prison, et ce genre de choses-là. En fait, tu comprends que... Faut pas l'ouvrir, quoi. Faut pas l'ouvrir, bon, là, c'est ouvert. Et en tout cas, les runes qui sont dessus indiquent que voilà, il y a un rapport de protection et de prison, de ce que tu comprends. Mais il n'y a pas de phrase concrètement. En gros, le mec a libéré l'ombre et ça s'est mal fini pour lui. Protection, ouais, prison, moi j'entends surtout, faut pas que ça se referme, quoi. C'est surtout ça que je comprends, quoi. Ouais. Protection, prison, clairement magique. Prison, j'ai pas envie que ça se ferme. On peut faire un petit test d'art de la magie ou pas dessus? Ouais, c'est ça pour savoir. Toujours des petits putains. Bon, ça, je vous laisse faire, ça, par contre. Ah, je pense savoir. Ah. Alors, Isonort, effectivement, tu regardes, tu sens et tu remarques tout de suite une très très forte aura d'abjuration. Assez puissante. Mm-hmm. Tu saurais pas dire exactement... À quoi sert, enfin à quoi, en tout cas, comment elle fonctionne et ce qu'elle fait exactement, cette boîte. Mais bon, pour toi, entre cette forte aura d'abjuration et les termes nains écrits dessus, cet objet doit clairement servir à emprisonner quelque chose et à le garder à l'intérieur. Ouais, et puis, vu la gueule du mec, il savait pas lui. Il lisait pas le nain. Je pense qu'il lisait pas le nain. Je vous propose qu'on prenne la boîte au cas où on puisse ranger je sais pas comment, l'ombre. Est-ce que je sais si il y a aucun risque à toucher la boîte maintenant, même si elle est ouverte? En principe, non. Okay. Ce genre d'objet emprisonne généralement les choses à emprisonner à l'aide de mots de commande magique ou d'un rituel particulier. Le fait de toucher la boîte en elle-même ne provoque rien. Par contre, s'il faut connaître le mot pour emprisonner l'ombre, je sais pas comment on va faire. Ah oui. C'est pas écrit dessus. En tout cas, bah... Non, c'est pas écrit. Pour emprisonner une ombre, veuillez indiquer les mots suivants. Tapez 1. Pour emprisonner une ombre, tapez 1. Pour libérer un dieu maléfique, tapez 2. Bah écoute, moi je veux bien prendre la boîte. On dirait que ce pauvre bougre a dû, par erreur, libérer quelque chose qui était enfermé là-dedans. Ouais. Ce qui serait passé à Zélius si on t'avait laissé sur le siège avec l'ombre. Ouais. C'est une autre histoire. Pas sûr.
Que tu récupères, du coup, Eisenhorst, hein, cette boîte en airain. Du coup, je l'écris pas, c'est toi qui l'as récupéré. Ouais, j'écris dans mon... dans mon inventaire. Et sinon, à part ça, il y a quelque chose d'autre dans la pièce ? Des tonneaux de vin. Est-ce qu'on peut juste analyser le corps pour voir s'il est vraiment mort de peur ou s'il a une blessure quelconque ou... Bien sûr. Il s'est fait absorber sa force. On peut faire un test de premier secours. Alors, ah, ça c'est... c'est moi. Alors, combien j'ai ? Il est où déjà celui-là ? Ouf. Il est sûrement mort de vieillesse. Oui, oui, c'est exactement ça, les alertes. Il est mort de vieillesse. Tu peux me mettre un plus 1 sur ça ? Ouais. Je pense. On a un 20 pour Eldrad, un 7 pour Eisenhorst. 21, plus simple, mais ça change rien. Ouais. Et un 24 pour Ceris. Alors, pour toi, effectivement, Eisenhorst, hein, il est mort, ça, c'est une évidence. Toutefois, bon, t'es suffisamment pas teubé pour te rendre compte qu'il n'y a aucune blessure apparente. Pour les deux autres, effectivement, il est mort hein, aussi, ça change pas, l'état n'a pas changé. Pas de blessure apparente et clairement il n'est pas mort de vieillesse le monsieur hein. En fait ses cheveux blancs qui sont blanchis détonnent complètement avec les traits de son visage qui sont bien plus jeunes. En principe il devrait pas avoir les cheveux blancs à cet âge là et clairement en inspectant un peu son corps effectivement c'est comme s'il était mort d'un mélange de terreur et du fait de s'être fait aspirer son énergie vitale. Oula. Je peux lancer un test aussi. Inspirer l'énergie vitale, c'est une capacité des ombres, ça, il me semble. Mais il avait perdu de la force. D'ailleurs, tu l'as récupéré, du coup, Zelius. Il a récupéré un point. Il en avait perdu combien ? C'est lui qui a dû noter ça sur sa fille. Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié que je... Je me disais, c'est bizarre, elle n'a pas reparlé. Si ça se trouve, ouais, ce qui a libéré, c'est ce qu'on a croisé dans la grande pièce avec le fauteuil. Ouais. Ça se trouve. Je suis en train de me dire. Petite idée comme ça. Qui passe. Ou alors c'est un service de sécurité assez hardcore. Ouais, mais là je pense pas. Je me dis, fauteuil. Bon. D'ailleurs, c'est vrai que depuis qu'il a ouvert la boîte à musique, qu'il l'a récupéré, Azélu, ses cheveux ont blanchi pas mal quand même. À chaque fois qu'elle joue, je me sens plus faible. Que faites-vous ensuite ? Bon, je propose qu'on aille, qu'on ouvre la porte qui mène à l'est, dans la cuisine. Ça vous va ? Parce que là, craquement, il y avait deux portes dans la cuisine, je crois. Oui, il y avait une porte effectivement qui mène à l'est, qui vous reste à ouvrir. Je pense qu'on peut tenter de faire ça. Allons-y. Du coup, Azélius, t'as regardé combien t'avais perdu de force et combien ça t'avait redonné la boîte ? Oui, je suis en train de corriger. Ok. La boîte t'a redonné un, du coup. T'as enlevé un affaiblissement. Mais ça, c'était la boîte de musique, c'était tout à l'heure, ça déjà, non ? Oui, oui. Oui, c'est la boîte de tout à l'heure. Vous ouvrez la porte à l'est. Et ça donne sur une espèce de. Comme un peu une espèce de mini terrasse. Un peu comme l'entrée avec des escaliers qui descendent et qui donnent sur les jardins arrière en fait, du bâtiment. Donc ça donne à l'extérieur en fait. Et vous voyez ici sur cet endroit, ma foi, un cadavre avec plein de sang qui a visiblement été dévoré sur place. Hein, il ne reste plus que des os rongés dans une mare de sang et de déchets humains ignobles. Miam. On revient peut-être sur les ghouls et plus sur l'eau. C'est ça. On peut faire un petit test de premier secours pour juste être sûr que ça soit ça. Je sais pas si tu nous autorises, Hydra. Oui, après c'est assez évident que les os ont été rongés, en tout cas, ça se voit. Ah, mais non, elle est encore vivante, regardez ! J'ai fait un 5, je sais qu'elle est vivante, elle bouge ! Respire encore.
Ah ouais. Oui, effectivement, elle a été le corps a été dévoré, hein, donc c'est probablement l'œuvre de Ghoul aussi. Et puis, donc, il y a une autre double porte, ensuite, qui continue vers l'est, qui rentre dans le manoir. Et après, bon, il n'y a pas de map des jardins, mais en fait, derrière... Au bord du monde. Tout au nord, effectivement, ce sont des jardins. Voilà, il y a un petit kiosque, un peu des fleurs, des arbres, tout. Vous voyez rien de particulier. Ah, si on va dans les jardins, on voit rien ? Non. Je regarde. Ils vont loin, les jardins ? Non, bon, en fait, là, ça te permet de faire tout le tour du bâtiment. Concret. Ah, ok. Ah, bah, je peux pas le faire. C'est la possibilité de pouvoir éventuellement faire le tour du bâtiment, tomber sur les jardins et tomber sur les portes arrière. Ok. Pour éviter, par exemple, des gargouilles. Oh, il a tout pété, les gargouilles. Il y en a plus. Franchement, les gargouilles, zéro. Nul, les gargouilles. Enfin, j'imagine, on fait deux tours, on fait c'est bon, c'est nul, nul. Moi, j'ai quand même laissé... On les a éclatés, on est trop forts. J'ai quand même laissé mon marteau qu'il a fallu réparer. Et ben après, toi, tu combattais carrément le manoir, donc... Ouais. Manoir contre marteau. Aussi. Marnoir. C'est ça. On serait pas occupé des gargouilles, Victoire, en revenant, elle serait fait... ça serait mal. Ouais, quoi. Grâce à ça... On est même en sortant, en mode, ouais, on a gagné. Ouais. Grâce à ça, il y en a deux qui ont pu utiliser leur magie du scotch pour te refaire ton marteau. Donc, La magie du scotch. Bah, je propose qu'on prenne la double porte qui permet de rentrer dans le bâtiment à nouveau. Qui mène à l'est. Ouais. Bah, si ça va pour le... Ah, oui. Cette porte, du coup, vous mène dans un espèce de petit hall où il y a deux autres doubles portes. Une qui continue vers l'est et une qui descend vers le sud. Alors, bien le sud, si je dis pas de bêtises, c'est le couloir par où on est passé. Effectivement, en fait, vous arrivez sur les différents couloirs. Tiens, derrière, il y avait des armures. Tu les avais pas désarmées, si tu veux désarmer. Ah oui, moi, je... Toutes les armures que je vois maintenant, je les désarme. Ça redonne sur le couloir où il y avait la double porte que vous avez pris pour entrer dans la grande pièce avec les armures. Bah... Et du coup, il y a cette porte-là. Exactement, il y a la porte qui continue vers l'est. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Allô ? Ouais, on va sûrement revoir l'ombre d'ici peu. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire ? On passe par cette porte-là ou on passe par cette porte-là. Très bien, vous prenez la porte est qui donne sur un long couloir avec plusieurs portes. Ah, d'autres portes ! Il y a encore des portes ! Ah, d'autres portes. Enfin, il y a trois portes et au fond, il y a une double porte. Moi, j'ouvre celle au fond. Il y a aussi une double porte vers le sud, donc qui donne vers la pièce un peu centrale que vous n'aviez pas ouverte. Hein. Vous vous souvenez, quand vous avez pris l'entrée principale, il y avait une porte au nord, une double que vous n'avez pas ouverte. Il y a trois portes qui mènent au nord, hein, c'est ça ? Il y a trois portes qui mènent au nord, une qui mène au sud, effectivement. Moi, je joue celle qui mène à l'est, au cas où. Est-ce que sur le passage, c'est des armes, les armures ? Très bien. Celle qui mène à l'est, ça ramène sur les couloirs, notamment celui où il y avait la porte pour la chapelle. En fait, les couloirs, en gros, forment un carré. Le manoir forme une espèce de carré, avec une pièce principale au centre, là, que vous n'avez pas exploré, et toutes des petites pièces autour. En fait. Des petites ou grandes pièces, d'ailleurs. Mais l'essentiel des couloirs, en fait, ça forme un carré. Quoi. Vous pouvez comprendre. Est-ce que vous voulez faire les pièces du nord avant d'aller au sud ? Reculer pour mieux sauter. Alors, la première porte au nord. Vous allez arriver dans ce qui va, ma foi, assez simplement être... Un grand salon, effectivement, avec, ma foi, une cheminée, l'endroit parfait pour se détendre hein, lors des jours de pluie, des fauteuils, des canapés confortables. On y trouve aussi ici une ou deux bibliothèques. Il contient
divers livres de divertissement, ainsi que des petites décorations, statuettes, les statues en pierre, ou ce genre de choses-là. En fouillant les étagères, les statues... Ouais, on fouille rapide. Bien, les livres, comme dit, rien de particulièrement intéressant. Et parmi les diverses statuettes sculptées en pierre, il y en a une, la statuette d'un loup. Il y a des yeux d'améthyste. Petite détection de la magie, quelqu'un ? Moi, je veux bien. Pas magie. Est-ce qu'on peut la prendre, la soulever, quelque chose ? Oui, c'est... Pour la manipuler, pour voir... Elle tient dans une main, la statuette, si tu veux. C'est pas très grand. Quoi. On peut essayer de la manipuler pour voir s'il n'y a pas un petit mécanisme, une connerie dans le genre. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Quoi, tu essayes un petit peu pour toi. C'est, au vu du poids haut, c'était bien une statuette de loup en pierre, avec juste des yeux pour pierre, des améthystes pour yeux. C'est toujours une statue. Cette statue est toujours une statue. Dans les bibliothèques, c'est quoi comme bouquin ? C'est comme dans... divertissement. C'est comme, c'est comme l'autre. C'est... Pas de télé ici ? Samsung, là ? Pas de télé, non. Bon, du coup, je propose qu'on aille à la deuxième salle, là. Et on fait quoi de la statuette ? On la prend ou on la prend pas ? Parce que c'est un peu pillé. Non. On va éviter aussi de... On est tous plutôt bons, quoi. Donc, ouais. Si on était mauvais, je dis pas, on prendrait tout. Mais moi, en tout cas, je suis neutre bon. Le pillage, c'est pas trop mon truc. Avec eux. C'est mon manoir. Les gens qui retournent à Ars en traînant le manoir derrière eux, attachés une corde. si c'était ça, on aurait pris la chevalière. Ben non, c'est notre chevalière. Est-ce que c'est la vôtre ? Non. Voilà. La porte suivante. Hop. Il s'agit d'une chambre, avec le nécessaire requis, une commode, un lit, une cheminée, une armure décorative, un siège, un petit c'est bureau. C'est un peu plus luxe que la chambre des... Ouais, clairement, c'est plutôt... C'est plus alors, le lit là. Est fait et tout. Personne n'a l'air d'avoir dormi dedans récemment. C'est plutôt une chambre d'invité. La commode est vide, tout comme le bureau. C'est mis à disposition pour ranger les affaires pour un invité. Ok. Il y a une armure, est-ce qu'on a des armes ? Oui. Il y a une armure, des armes. Après, que fais-tu des armes ? Ah, je sais pas, c'est vous qui les désarmez, hein, moi. Oh non, je les laisse. Mais je les mets juste loin dans la pièce, quoi, pour que si jamais elles s'animent, on ait le temps de les affronter avant qu'elles aient récupéré leurs armes. Elle va rentrer chez elle va voir son manoir en bordel. Oui, quoi. Et pourquoi il y a toutes ces épées dans les chiottes ? Vous savez pas ce qu'on a vécu. Et ensuite, au nord, la dernière porte, à la surprise de tous, une autre chambre d'invité. Ah, mais là, c'est pour ces deux lits. Oui, là, ici, il y a deux lits. Bon, il reste plus que la salle au sud, hein. Je suis désolé. On passe par derrière ou par devant pour aller dans cette salle ? On peut aussi passer par les côtés. Divise. On rentre tous par des côtés différents. Ouais, c'est pas... Alors pour la salle centrale, en fait, hein, vous aviez vu une porte, effectivement. Ici, vous êtes dans le couloir nord. Il y en avait une dans le couloir sud, donc dans le hall d'entrée. Et il y en avait une autre dans le couloir ouest, où il y avait la porte aussi pour aller dans la grande pièce avec le siège. Par contre, du côté du couloir, côté chapelle, il n'y avait pas de porte pour venir vers le centre. Ah, il n'y en avait pas ? Non. Il n'y a que trois portes pour aller vers le centre. Si effectivement le centre n'est bien qu'une seule et même pièce, bien sûr. On se divise en trois. Je sais pas, vous voulez rentrer par ici, par ailleurs ? Est-ce qu'on y rentre maintenant ? Ouais, peut-être par le nord. Du coup, par là où on est ? Ouais.
Le sud, c'est trop évident, et l'ouest, c'était là où il y avait l'ombre. Est-ce que, du coup, est-ce qu'on peut rapporter les tokens ici? Oui, alors, ils vous suivent, bien sûr, je les bouge pas forcément, les autres, mais ils sont avec vous. Mais en fonction d'eux, je veux dire, juste parce que s'il y a un combat qui se déclenche comme ça, on peut déjà se mettre... Oui, je les ai. Vous vous mettrez, de toute façon, s'il y a un combat. Ok. Nico, qui ouvre la porte? Je vois pas pourquoi le fait d'ouvrir une double porte mènerait à quoi. Je sais pas, c'est... Ça dépend s'il y a un siège dans la pièce. Ouais, est-ce qu'il y a un, s'il y a un trône, on crame direct Azelius. Ouvrir la porte, on crame Azelius s'il y a un trône. Qui ouvre la porte? Ben, pas moi. Je regarde fixement notre expert nain en ouverture de porte. Il est expert en crochetage de porte aussi, non? Non, ça c'est le gnome. Non, c'est moi le crochet. Mais on a vu que les portes ici, elles avaient des dents. Enfin, des loups surtout. Du coup, Dagnus? Allô? On l'a perdu. Ah, le rosé qui à... Ah, je vais ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'on a fait? Attends, s'il est pas là, on est pas bien. Hein. Ouais. De toute façon, le temps qu'ils reviennent au réveil, en espérant, je vous propose une mini-pause de 5 minutes. Tout le monde est revenu? Oui. Oui. Du coup, je fais le reste de l'épisode debout, du coup. Du coup, on espérait que tu ouvrirais la porte. En marchant sur des punaises. C'est pour ça qu'on a attendu. Bon, du coup, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi qui allons ouvrir la porte? Porte du milieu qui mène vers le pont central du manoir. Je vais l'ouvrir. Bravo. Allons voir ce qui se cache dans ce manoir. Trouver. Tu ouvres donc la porte, monsieur Nain. Ici, la pluie frappe inlassablement le marbre gris de cette cour intérieure. Et à l'ouest, un balcon permet d'observer la cour depuis une partie un peu plus élevée du manoir. Alors que au nord et au sud se trouvent des portes d'accès à la cour en question. Depuis la porte nord, d'ailleurs, il y a un petit escalier de quelques marches pour descendre dans la cour. Alors que la porte sud, hein, on est directement sur le plat de la cour. Pour rappel, comme c'est construit sur une colline avec un peu un dénivelé, c'est pas tout plat partout. Dans le coin sud-est, une statue représentant un homme en armure, décoré de lys, brandit une épée de sa main droite, alors qu'il tient la tête décapitée d'un loup géant dans son autre main. La statue est assez grande, hein, vraiment une grosse statue, elle est pas... C'est ce qui est en bas à droite, tout à fait. Elle fait pas du tout... elle est pas la taille humaine, quoi. Elle est 3-4 fois plus grande. Vraiment une grosse statue. Par contre, assez vite, dans la cour, vous apercevez également, gisant dans une mare de sang en partie diluée par la pluie, le corps brutalement démembré d'un homme. Mais pas à manger. Oh bah là, faudrait aller inspecter ça de plus près. Je peux pas désarmer la statue, elle est trop haute. Ah, désarmer la statue, ça va être compliqué. Hein. Un petit coup de brister dedans, au cas où que ça... Non, mais là, on est je propose qu'on s'approche un petit peu plus près de ce. Est-ce qu'on est obligé de passer par l'escalier pour descendre? Est-ce qu'on peut faire Tu peux passer par-dessus la rambarde et puis faire un petit saut. C'est pas haut. Ouais. Non. C'est pas haut. C'est pareil. Comme ça. Bah, non mais comme ça, on évite de passer devant la grosse statue. C'est un petit 1m50 si tu veux. Et je tire une fois sur la statue comme un con. Bah écoute, t'as fait, je fais schlick, elle se brise sur la statue. Voilà, et la statue tourne la tête. La statue tourne la tête, te lance la tête de loup en pleine gueule, tu prends l'équivalent d'un rocher lancé par une catapulte en pleine tronche.
La première fois que je vois un elfe aussi plat. Bah, dans ce cas, moi, je fais ça. Je passe par là, puis je m'approche prudemment du cadavre. Et puis, bah, je pense que je suis pas le seul à y aller, hein, concrètement. Oui, je vais aller voir aussi le cadavre. Surtout que la serrure qui était bloquée en bas, je rappelle. La statue à l'œil, parce que j'ai plus confiance dans la statue. La serrure qui était... Vu que moi, je suis complètement une merde pour les tests de premier secours, moi, je vais vraiment être en mode tourelle automatique, tu vois. Même ah si oui, je, bon bah, tout... je regarde la statue et moi, j'inspecte le cadavre. Voilà, serrure... Même si je suis tout aussi pourri en perception, au moins, voilà. Je rappelle que la serrure qui était bloquée dans le sous-sol, il y avait une tête de loup. C'est d'ailleurs celle qui a mordu Azélus, c'était une tête de loup. Oui, mais il fallait une clé, et puis... Il fallait une clé, mais là, justement, nous sommes face à une tête de loup, tu vois, c'est... Chose, est-ce que peut-être... tu veux bien m'attendre en bas du mur pour m'aider à descendre par le même endroit que toi? Et si, si tu veux, je t'attrape et je te dépose délicatement à côté de moi. Du coup, Céris, tu inspectes le cadavre. Oui. Eisenhorn, tu regardes un peu la cour depuis à côté du cadavre. Mm-hmm. Azélius, tu descends, tu vas à côté de Céris et Eisenhorn, c'est ça? Bah moi, je fais un, je fais un truc de perception pour voir un peu tout ce qui nous entoure. Tu n'as pas dit de traces. Bah, écoute, il y a un corps et une statue. Moi, je rejoins ceux qui sont. Je rejoins à côté du cadavre ceux qui sont à côté du cadavre pour aider ceux qui sont à côté du cadavre. C'est tout quelque chose à côté du cadavre. Moi, je regarde dans les airs. Hein, c'est un truc qui vient. Très bien. Alors, du coup, vous commencez un peu à inspecter le cadavre. Vous pouvez faire un jet de premier secours. Ouais, c'est ce que j'ai fait. On a fait 28. Premier secours. Je crois pas que j'ai pas premier secours. Elle fait 26. Tout le monde peut le faire. Premier secours. Bah, le 28, c'était quoi? Tout le monde peut le faire. C'était avant. Bah, c'était le cadavre de la goule. Là. Ouais, c'était le cadavre. Ah. Là, j'ai fait 26. Ok. Du coup, tu regardes un petit peu, ma foi, ce corps. Et tu vas remarquer déjà. Plusieurs choses étranges. Effectivement, il a été brutalement démembré, mais je remarque que sa cage thoracique, hein, en fait, son torse, a été clairement, tout aussi brutalement, ouvert. Et tu vois clairement qu'il manque des choses à l'intérieur. Donc ce qu'il a mangé, en fait, n'a pas rongé les os comme le font les ghouls, non. Elle a plutôt mangé ses organes. Est-ce que quelqu'un ici connaît quelque chose qui mange les organes comme ça? Est-ce qu'on peut faire un test, bah, je sais pas, mystère ou... Et du coup... Tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît, Eldrad. Et toi aussi, Eisenhorn, comme tu regardais un peu les choses, mais... Oh! Une tourelle automatique, je crois qu'elle fonctionne. Attends, on n'a pas fait 20. J'ai pas fait 20. Et Trazelius aussi, tu veux faire un test de perception que toi tu vas regarder un peu. Oui, avec plaisir. Vous êtes 6 ouais, bah. 18 aussi. On a 19, 18, 18. Ok. Du coup, vous regardez effectivement un petit peu les alentours pour surveiller. Ceux qui sont proches du cadavre, il y a un petit éclat quand même qui attire votre attention. C'est une jolie bague en argent à la main du monsieur. Est-ce qu'on peut faire une examination pour savoir s'il y a une armoirie, quelque chose dessus? Faudrait la prendre à la regarder. Détection magique. Ouais. Elle est pas magique. Bah. Je peux essayer de la prendre pour voir si ça indique quelque chose. Tu te penches un peu, hein, tu attrapes la main du Maccabée pour retirer peut-être la bague, la tourner pour l'observer. Il faudrait peut-être un petit peu l'essuyer parce qu'elle est un peu couverte de sang et tout. Alors que tu commences à biduer le cadavre, les autres, qui, notamment Eldrad qui regardait spécifiquement un peu en haut, tu vas remarquer un mouvement. Visiblement, il y avait quelque chose un peu peut-être caché sur... au bord du toit qui était immobile, que t'as pas particulièrement remarqué. Peut-être dû au fait qu'il était... C'était bien dissimulé, ou comme il fait quand même relativement sombre.
Et au moment, en fait, où Eisenhorn, tu commences à toucher un peu le cadavre, tu remarques donc ce mouvement. Les autres, vous allez entendre effectivement un... comme quelque chose qui bougerait un petit peu sur les tuiles. Et vous allez voir apparaître, qui va un peu se tenir en hauteur, mettre ses pattes griffues sur le rebord des tuiles, qui va un peu observer en bas la scène. Ce qui semble être une énorme chauve-souris à l'état décomposé. Et alors que du coup, elle regarde vers vous, elle voit Eisenhorn là qui... Tu l'entends en fait, que tu entends un peu le bruit, que tu lèves la tête. Complètement, dès que j'entends... T'as tout juste la main en fait du gars dans... un peu dans la tienne. Et puis effectivement, elle pousse un hurlement. Et elle se jette en bas pour tomber dans la cour. Oh non. C'est ma faute. Je suis désolé. Elle aime pas qu'on touche à sa nourriture. Elle est tout manger. Allez, finir ce qu'on en... Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? On peut savoir ce que c'est. Ou c'est gros. Alors effectivement, c'est une grosse créature. Elle fait une taille G, hein, donc elle est plus grosse qu'un cheval. La chauve-souris en question. Ah oui, c'est costaud là. Oui, c'est une grosse bête. Donc effectivement, on dirait vraiment une chauve-souris décomposée, quoi. Elle a l'air putréfiée, en décomposition. On voit une partie de son crâne. Il y a peut-être un œil qui est manquant, l'autre qui tient à peine dans l'orbite. C'est, on dirait, une espèce de chauve-souris géante mort-vivante. Une vraie saloperie. Donc là, en résumé, en gros, on active tout. Hein. On a fait les gargouilles, j'ai fait l'ombre, on fait la chauve-souris. Je crois que l'ombre était plus optionnelle que la gargouille, pour ma défense. Non, la gargouille, ça n'était passé par le côté. Hein. Mmh. Ah non, oui. Après, l'ombre, c'est un peu le problème, justement, qu'on vient résoudre, si j'ai bien compris. Pas forcément. Bah, je sais pas, c'est le truc qui a été libéré. Enfin, on sait pas ce qu'il y avait dedans, si ça se trouve, peut-être, Victoire, elle pourra nous en dire plus. Enfin, voilà. Ouais. Pour l'instant, ce n'est que des suppositions. Papillon, je sais pas si ça suffit à expliquer tout le bazar, toutes les goules. Ça, si ça se trouve, c'est genre une créature comme ça qui a créé, qui a créé l'infestation de goules. Je ne sais pas. Mais bon, du coup, je pense qu'il va y avoir bagarre. Il y a bagarre. Ouais, bah c'est possible, hein. On peut faire un test de diplomatie pour discuter avec elle. On peut s'arranger. Je prends la bague et je te... Écoutez, chauve-souris, je sais que vous êtes chauve, que c'est une souris, ou souris chauve ou chauve-souris, mais... Tout en restant très poli avec vous... Alors, la pièce n'est pas particulièrement particulière, hein, c'est un grand rectangle, on va pas vous faire faire de map particulièrement. Mmh. Je pense que c'est pas nécessaire. Et il y a qu'un seul adversaire en plus, donc. Ah, taillé en pièces. Un seul gros adversaire, mais un seul adversaire quand même. Eisenhorn et Eldrad, vous avez fait vos initiatives. T'es sûr que tu veux pas faire de map? Je vais essayer de quand même être un peu plus sympa. Vous êtes vraiment dans un bête rectangle de quoi? Tu veux, ça fait de A à N? De 6 par de 6 par 12. Je veux dire, autant l'autre, il y avait les piliers, il y avait plein d'ennemis et tout, donc c'était plus important. Là, il y a qu'une seule grosse créature, donc... Le seul truc notable, c'est que t'aurais pu être dans l'auteur si t'étais resté avec moi. Bon après, vu que c'est une créature de taille grande, si je dis pas de bêtises, y a pas de malus quand elle est au corps à corps pour lui tirer dessus. Non, parce que... Si, parce qu'elle doit être deux fois plus grande pour pas que tu fasses un couvert. Par contre, du coup, comme elle est deux fois plus grande que Azelius, si Azelius est au corps à corps de la créature, Azelius ne donne pas de couvert aux autres. Azelius va au corps à corps. Pour les autres de taille M, il faudrait qu'elle soit d'une taille encore au-dessus. Je t'ai aidé à descendre, tu dois m'obéir. Céris, c'est à toi. Donc toi, tu es à côté en fait de tous les autres. Hein. La créature est concrètement à 10 mètres de toi, donc t'es assez éloigné encore pour l'instant. Elle est tombée, en fait vous êtes dans un coin de la cour en haut à gauche, elle est dans l'autre coin en bas à droite. Elle est juste tombée à côté de la statue. Et du coup, elle est clairement son regard tourné plus vers vous, en tout cas vers, vers le groupe hein, qui sont près du cadavre. Donc elle vient de tomber lourdement sur le sol.
Ah, il faut la smater. Donc je suis à combien de mètres de... Il y a 10 mètres là. Bah je peux faire flamme. Ouais. Donc il t'invoque pendant 4 minutes, t'as une flamme et tu peux lancer des flammes. Et à chaque fois que t'en lances une, ça t'enlève d'une minute la durée du truc, hein, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Alors sachant que ce tour-ci tu l'incantes. Et en fait, bon, concrètement, le tour te prend pour incanter les trucs. Et après, après ton prochain tour, tu pourras faire du coup des attaques avec. D'accord. Et en fait, concrètement, ça te fera 4 attaques. Hein. Ouais. T'as plus de boule de neige ? Bah si, mais c'est 7... c'est une portée courte. Haute 27 points, pas de fin D. La malédiction du trône écarlate relevé un coup facteur. Cliquable. Aucune zone d'édition suivante. Turn order. Tu fais apparaître les flammes. Non coché. Allez, Zonort. Cliquable texte. Alors moi, je vais balancer ma dernière immolation à la tronche. Toufik, et Zenor, j'ai immolation spontanée, damage, vif, feu, spell, résistant. Et 8 points de dégâts. Alors, l'immolation, donc il doit faire un jet de vigueur pour le demi-dégât, et ensuite un jet de réflexe pour la prise de feu. Mmh. Alors, tu vois qu'il va... Après, elle est très humide, vu qu'elle est en extérieur, et autres, hein. Tu vois qu'elle va prendre un peu les dégâts, mais ça va, l'impact va pas être aussi aussi violent que sur d'autres créatures. Tu sens que elle y a un peu résisté, mm-hmm. par le fait qu'elle a réussi son jeu de sauvegarde de vigueur. Et est-ce qu'elle va prendre feu? Prends feu. Allez, prends feu. Elle brûle. Ne prendra pas feu. Oh elle ne prendra pas. Et puis bah, je vais faire un pas de placement. Il n'y a plus de placement. Donc je peux bouger comme tu veux. Oui, tu peux même bouger comme tu veux. Ah oui, je vais comme je veux. Et est-ce que en bougeant, je peux dégainer ma baguette de projectile magique? Oui. Alors c'est ce que je fais. Dagnus. T'es pas loin de la bête. T'es à portée de charge. D'accord. Ah, je peux donc pas trop proche pour faire une charge. Non, tu es exactement à 9 mètres d'elle. Ok, donc j'ajoute plus 2 à mon jet d'attaque. Est-ce que ce charge, je peux me placer correctement à ne pas gêner ceux qui veulent lui tirer dessus? Charge, tu dois aller droit devant. Donc. D'accord. Mais bon, là où tu seras, tu gêneras en tout cas pas Eldrad. Ça marche. En plus, lui, donc bah, on va faire une petite charge. Donc de base, c'est plus 9, il a plus 2, du coup plus 11. Ouais. Tac. Antoine des points, Robin, premier 20, plus 11, c'est 0, plus 11. Charge droit devant sur la créature. D'accord. Du coup, attends, je peux. Hors de l'explicable, cliquable 0. 16. Et tu fais un 27 pour toucher avec ta charge. Ce qui va définitivement être une touche. D'accord, donc. Ça fait 2d10 plus 12. Deuxième 6 plus 12, 5-0 plus 5-0 plus 12 égale 22. De dégâts. Tu mets un grand coup de ton bristère dedans, hein. Tu sens un peu des os qui craquent, hein, de la chair en décomposition qui fait un bruit horrible. La créature gémit un petit peu, elle est toujours bien debout par contre, mais lui a mis un violent coup en tout cas. Pas apprécié. Eldrad, toi t'as un peu d'auteur, du coup t'auras pas de soucis de couvert. Est-ce qu'on peut renverser une grosse bestiole comme ça? Enfin, c'est réaliste ou pas? Oui, tu peux essayer. Après, plus elles sont grandes, en général, plus elles ont une DMD élevée, donc plus c'est difficile. Ah, d'accord. Mais c'est envisageable, ouais. Saleté de bestiole! Je vais essayer pour voir. Je vais le lancer chez une barbelée.
condition de faire renverser par exemple des dégâts. Je te remets le. Ça. J'ai pas super bien compris en fait. Je crois que ça devait être ta BBA plus ton modificateur de sagesse plus ton. Sur le sort, non, c'est pas ça. Ah, là, du coup, c'est de tenter une manœuvre de combat de renversement passible. Je sais pas ce que je dois faire. Votre manœuvre de combat. Vous demandez à la chaîne d'effectuer un système de guerre ou une tentative effectivement de manœuvre de combat. La chaîne utilise votre bonus d'attaque de base plus votre modificateur de caractéristiques lanceur de sort, donc le charisme, la sagesse pour toi, pour le jet d'attaque. Un bonus de manœuvre. Donc t'as combien en modificateur de sagesse et en bonus de base à attaque? Alors, sagesse 3. Et c'est quoi, c'est BMO du coup? Non, c'est BBA. Enfin, c'est bonus de base. Ah, BMO, ça prend en compte la force. C'est quand toi tu fais une manœuvre corps à corps. BBA de base avec ma classe, c'est 3. C'est marqué en fait, là où t'as BMO, t'as un truc bonus de base. Ah bah oui, j'avais pas vu juste à gauche. Donc 3 et 3, donc plus 6, donc tu lances un des 20 plus 6. Mais du coup j'ai deux chaînes là, donc est-ce que je fais 2 jets S'il y a deux chaînes, ouais, tu fais 2 jets. Donc c'est un des 20 plus 6 C'est ça, donc 2 des 20, ouais, tu lances 2 des 20, on mettra plus 6 à chacun. Plus 6, 7, 0, plus 6 égale 13. Le premier c'est 6, 1, 0, plus 6 égale 7. Le premier c'est 1, 7, 2, 1. Donc tes chaînes en fait, essaye un peu d'aller entourer peut-être les pieds de la créature pour essayer de la tirer, de la faire tomber. Mais elle va les balayer et s'en défaire comme si de rien n'était. Clairement, elle ne pense pas. Ok. C'est à elle. Oula. Parce que tu restes là, tu ne bouges pas. Ouais. Et bien elle, du coup, elle a pris un méchant coup de marteau, donc elle a pas aimé. Pas contente. Donc elle va un peu se redresser, elle va essayer de mettre un gros coup de morsure avec sa vilaine gueule sur Dagnus. Combien tu te... Ouais, bon, 29, je pense que ça te touche. Oui. Donc tu vas prendre 14 points de dégâts, Dagnus. Ah mais ça rigole pas ça en fait. Ah, attends. De grande taille. Hein, Daniel fiche le personnage, pas de volet. Actu 42 des 10. De 14 points de vie. Et. 14, ouais, ça me mène à 28, ok. J'écoute à 20. 0, 42 des 10. Test de vigue, ouf. Alors, attends. Ah. Tu vas chauffer la turbo pêche quand même. Ah, tu vas même en faire 2 s'il te plaît. Ah. Feuille information, non 1. Rasad. Ok. Feuille caractéristique tableau. Normalement, vigueur, je crois que je suis pas trop. Carré, normalement, tu dois pas être trop. Valeur 10, ouais. Il me semble que c'est 8, mais je veux juste revérifier. Résiste à 20. Vigueur à 20. Volonté. Pas d'exemple. Lui contient une formule. Ouais, c'est ça, c'est 8. Donc. Pas de fin D. Pas de. Liste. Clic à. 1D 20 plus 8. Antoine des points. Rolling premier fois plus 8. Ok, le premier, ça se passe. J'en fais un deuxième. Oui, il en faut deux. Rolling premier vin plus 8. 21 et 1 10. Plus 8 égale 10. Bah, écoute, la morsure fait mal. Ouais. Tu sens un petit peu tes muscles qui se contractent, mais rien de plus. D'accord. Donc okay. Il y a peut-être eu quelque chose de plus, mais visiblement, les morsures, au-delà de faire très mal, ne doivent pas être juste bénignes. Pour l'instant, je prends juste les 14 points de dégâts en compte, quoi. C'est ça. Et okay. C'est tout ce qu'elle va faire. Azelus. Ce qui est déjà pas mal. Feuille combat tableau. Ah, feuille compétence tableau. Azelus, du coup, t'es pareil, t'es vers série, size de nord, t'es à 9 mètres de la créature, t'es relativement à l'abri, on va dire. En plus, il y a Dagnus qui fait barrage de son corps entre elle et vous. D36, D38.
T'as vraiment qu'avec une seule attaque, putain la vache. Fort, intelligence, 7, 4, 42 contient une formule latine. Portée courte, il faut 42, que je m'avance 10. À 7m50. C'est 8m, 2, 4, ouais, mais après c'est 7m50 plus 1m50 par deux niveaux, donc en vrai, maintenant t'as 28. 9, ouais, c'est bon, 10 c'est mètres, bon, c'est bon. T'as à portée. Donc bah vas-y, je vais... 28b, 0, c'est 10, 20, 42 contient, 28b, 10, 42 contient, 28b, vérifier un truc. Il me semble que... Ça ne va rien du tout. Ça ne fait absolument rien, effectivement. Je ne bronche même pas. Je n'avais pas de percée à l'effet. Bon. Je viens inspecter ce que c'était. En même temps, c'est un peu tout décomposé et tout. Tu te doutes que... C'est probablement un mort-vivant, donc les effets mentaux. Texte non dit bureau lit. Media volume pour Google Chrome potentiomètre 38. 6. 36. Tu vas lui lancer une flamme, je pense. 20, 10, 10, 15, 14, 13. Je dois faire quoi pour le test d'attaque à distance là ? C'est juste un D20 plus ton bonus d'attaque à distance que tu peux trouver dans la feuille combat. Tout en haut, t'as les bonus d'attaque de CAC, bonus d'attaque à distance. Et ça touchera sur le contact. Je précise aux viewers de YouTube que j'ai un petit peu baissé le volume de Google Chrome pour la musique. Bonus. Non, c'est pas ça. De quoi ? Ça s'appelle comment ? Bonus à distance, j'imagine que j'ai noté ça. Ouais. 6. 6, donc c'est un D1 plus 6. Ok. Alors toi par contre, il y a Dagnus, toi qui t'embête un peu. Mais si tu te déplaces vers le bord bas gauche de la salle, tu pourras lui tirer dessus sans malus. Ouais, bah je vais faire ça là. Pour remonter en hauteur, ça leur coûte quoi ? Bah ils doivent venir passer par l'escalier ici ou faire de l'escalade. Escalade. Parce qu'il y a quand même un bon 1m50 de hauteur, donc tu montes pas ça comme ça. Quoi. Mais effectivement, si elle va se mettre dans le coin... Alors ouais, la grand-pa, elle peut se mettre toujours dans le coin là-bas. Et puis là, elle a une ligne de vue sur la créature, sans que personne la gêne, et il n'y aura pas de couvert. D'ailleurs, en fait, elle peut même venir se mettre là, si elle veut pas trop s'éloigner, ça suffira. Elle reste à côté des autres. Alors, du coup, un D20 plus 6, eh bien ça va toucher avec un 16 sur le contact. Du coup, les dégâts de flamme, par contre, je ne me souviens plus. C'est un D6 plus 4. Eh bien, alors, je t'en prie, un D6 plus 4. Après, c'est pas mieux qu'à ces cartes des autres, vu que la créature, si elle décide de s'envoler, de retomber comme les gargouilles. Bah, c'est à le voir, tu veux plutôt rester vers les autres ou aller vraiment dans tout le coin la pièce en bas gauche. Bon, en même temps, écarté des autres, tu seras... On peut pas non plus trop s'écarter. Quoi. C'est pas immense, la zone. Là, la zone est vraiment pas immense. Après, vaut mieux occuper l'espace, je crois. Ouais, mais m'écarter juste un peu, là. Ok. On peut te mettre là, effectivement, comme ça. Ah, t'es tout petit que je pue. Tu pues, ouais. Donc, effectivement, la flamèche, j'ai un touché, hein. Brûle la créature qui a pas l'air très contente de cet effet. Eisenhort. Alors. Je vais vérifier la distance. Je vais lancer résistance sur Dagnus pour lui donner un petit bonus de sauvegarde. Ok. Bonus de sauvegarde, du coup ça agit sur quoi ? Sur la vigueur ? Sur la vigueur, réflexe, volonté. D'accord, les trois. D'accord. Et ça dure pendant une minute, c'est ça ? Alors, ouais, pendant une minute. Mm-hmm. C'est un bonus de combien ? Un bonus de plus 1. Plus 1, faut que je fasse le test pour savoir s'il passe, par contre. Non, pourquoi ? Non, c'est auto. Oui. Ok, ouais. Donc voilà. Très bien. Dagnus, c'est à toi. C'est à moi de jouer. Bah, je vais essayer de remettre une tatane, hein, naturellement. Bah, donc. Pas de fin D. La malédiction du temps. C'est contact, hein, résistance. Cliquable. C'est contact. C'est contact, je crois. Je viens de regarder parce qu'il me semble bien que ça c'est contact.
Ah oui, non, oui, c'est contact, quoi. J'avais maté, j'ai pas vu ses contacts. Donc, Effectivement, si tu veux lancer la distance, faut venir. Genre ici. Bah, je peux faire ça au pire. Plus 9 cette fois-ci. Donc, je fais ça et puis voilà. Comme okay, ça, t'as... Donc, un D20 plus 9 cette fois-ci, parce qu'on est plus en 4 charges. Hop. Antoine, des points. Rolling, premier coup, plus 0. 12, 12 0, plus 0 alors, égale 12. T'as fait ah, t'as mis plus 0. Mais du coup, t'as fait 12 sur le dé. Donc, ça va faire un 21. Donc, ça va toucher. D'accord. Ouais, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ok, bon, ça arrive. T'as ripé du 9 sur le 0, c'est pas. Ok. C'est ça qui. Oui, exactement. Plus. Ok, donc. 2. Mince. 2d6. Plus 12. Rolling deuxième 6 plus 12, 5-0 plus 2-0, plus 12 égale 19. Un autre coup à 19, tu mets un autre violent coup à la créature hein, qui là, t'entends de nouveau d'autres craquements entre les brûlures et les deux coups de marteau, elle a l'air vraiment en très piteux état maintenant. Toujours debout ceci. Eldrad. Qui joue Eldrad juste avant Eldrad que la créature ne rejoue. Eldrad rejoue. Composite force 1 plus 1, distance GS1, 23 damage. Tu tires, est-ce que tu pointes ou tu tires? Je vais tirer. Ah, faut l'accent là. Déjà tu pointes et ensuite tu tires. Putain, quand. Eh bien écoute, tu tires sur la créature, hein, tu encoches donc la flèche. Elle s'apprêtait juste derrière hein, à un peu se redresser pour commencer à rugir. D'ailleurs, elle commence un peu à crier. Vous commencez à presque sentir votre tympan qui saigne. Quand du coup elle va oui. se prendre la flèche en plein dans la gueule en fait, hein, ça va venir par l'entrée de la gueule venir lui transpercer le crâne, la pleine flèche, et du coup son cri va s'arrêter net et elle va s'effondrer sur le côté. Bon, bien joué. Oh, voilà, on a tué le boss. Non, je crois pas, honnêtement, je crois pas. C'est pas un boss, c'est un monstre, c'est tout. Merci de casser l'ambiance, hein, merci. De rien, ça me fait toujours plaisir. C'est... Pour une fois que le combat se passait bien. Je te remercie de l'avoir achevé, j'aurais pas aimé me reprendre un deuxième 15-16. Si Dagnus avait raté les jets de sauvegarde, ça aurait été autre chose parce que il serait passé. Et puis le cri là, s'il avait eu le temps de crier, ça aurait été rigolo aussi. Son cri, vous faites tous un jet de sauvegarde et ceux qui ratent, vous êtes hébétés pendant un certain nombre de tours. Ah oui. Ah, c'est de la grosse saleté en fait ce machin. Elle crie très très fort. Bon. Est-ce que je peux essayer de reprendre la balle du coup? Avant que t'es parti, on la prend avant. On a toujours pas trouvé de clé, c'est ça qui m'inquiète. Un petit coup de baguette peut-être. Je trouve celle qui l'a. Hein. Cette chauve-souris. Oui. Non, non, je dis c'est Victoire qui l'a. En tout cas, la créature s'est lourdement effondrée sur le côté. Tu peux te soigner, Dagnus, du coup? Oui, tu peux. Si c'est 0, Dagnus fiche de volet. Actuel, 28B10. 42 contient, 28B10. Dagnus, tu reprends 7 points de vie. Merci bien. Cellule. 8, 2, 8, vide, 8, 2. 6, vide, 6. 5, 3, vide. Et donc personne veut inspecter ce que c'est cette créature et savoir ce que c'était. Ah si, on prenait juste le temps de se remettre d'aplomb, de faire ce qu'il fallait. Après, qu'en plein combat, vous avez le droit aussi. Hein, 35B10. À votre tour, de faire un test pour essayer d'identifier une créature. C'est tout à fait vrai. Ah bon ? Oui, oui, une action libre. Et là, on a encore plus de temps de savoir ce que c'est. Oui, oui, c'est juste pour savoir si ton perso sait ce que c'est. D'accord. C'est religion. Ah, religion. Ah, c'est religion, donc j'ai pas. Oui, c'est un mort-vivant, donc c'est religion. Pas de fin D, là. Daniel, volé. Ah, religion que j'ai pas, malheureusement. Ah, peut-être Cyrus, non? Je crois pas, non? Ouais. Bon, ça, vos jets suffisent. Il s'agissait, eh bien, de ce qu'on appelle très sympathiquement et gentiment un ou une skeveline. Skeveling. En gros, c'est une chauve-souris ghoul géante.
Donc en gros, c'est une chauve-souris, une créature, une chauve-souris géante atteint de la fièvre des goules, en fait. Et du coup, qui aime dévorer les organes des trucs, donc c'est un mort-vivant aussi. Est-ce qu'on peut savoir si ça peut transmettre la maladie des goules ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça, comme les goules, ces morsures transmettent la maladie et paralysent. Aïe, aïe, aïe. En fait, le jet de vigueur qu'a fait Dagnus était contre la maladie et contre la paralysie. J'ai réussi les deux. Du coup, je ne suis ni malade, ni paralysé. T'écris ça comment, Skaven ? S-K-A-V-E-L-I-N-G. Nissan ni Renault, tu vois. Skaven. Pardon. Pardonnez-moi. Non. En tout cas, vous avez exploré. Enfin, vous vous souvenez pas de porte que vous n'avez pas particulièrement ouvert, hormis cette étrange porte dans les cryptes. Eh oui, hormis la porte. De cette boîte en R1. Et. On peut examiner la statue. La bague. Vous n'avez pas encore examiné la statue. Oui, il faut examiner la statue, oui. Parce qu'il y a une tête de loup, ça m'intrigue, la tête de loup. C'est une jolie bague en argent. Voilà. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'armoirie, il n'y a rien du tout. C'est juste une jolie bague en argent. C'est ça. Note que je n'ai pas fait de fumble à ce combat. Il n'y a pas eu de fumble du tout. Alors, il y a une des chaînes, en fait, de Eldrad qui a fait. Mais c'est pas grave, parce que du coup, c'est la chaîne qui... On peut faire quoi comme test sur la statue ? Bah, ça dépend ce que tu veux faire. Regarder déjà ce qu'il y a dans la tête de loup, peut-être, je sais pas. Je prends juste la bague, moi. Ok. T'as dit perception, c'est ça ? Oui. Bon, je vais tenter aussi parce que j'ai quand même plus 1 en perception. T'as des bonus aussi avec l'accès de la pierre, toi. Oui, ah mince, par contre, je me rappelle plus c'est combien exactement. Plus 4. Plus 4. Ah, c'est de la pierre, la statue ? Oui, c'est une statue en pierre. Hein. Et la tête de... Vous terminez la colonne 4. Pas de fin de fenêtre. Donc ça rajoute plus 4 par rapport au plus 1 que j'ai naturellement, c'est ça ? Ouais, ouais. Donc plus 5. 6. Pas de fin d'air. Pas de fin d'air. La malédiction du... Horde. Clique à... Une perception aussi. Ah, attends. Tac. Rolling 4ème 6 plus 1, 5 0 plus 4 0 plus 1. J'ai mission. Ça me paraît bizarre ça. Horde cliquable, cliquable 0. Virgule plus 10 égale cliquable 11. 1 20 pour Edward. En tout cas, vous êtes relativement unanime pour l'instant. Un 19 pour Zelius. Vous êtes tout à fait unanime. Hein. C'est une statue en pierre. Ouais. 1. Flare même point. Rolling 4ème 6 plus 10 cliquable. Marge à rien de caché ou quoi que ce soit. Cliquable plus 5 égale cliquable 9. Mais la tête de loup, elle est comprise dans le... Oui, elle est comprise. Les sculptés avec la main, en fait, c'est pas un truc séparé. Le tout est une sculpture en pierre. Cassé à coups de marteau, moi. Bon, ben... Et d'ailleurs, ici, il y a, sur le socle de la statue, quand vous regardez, il y a un petit... panonceau. Un petit... pas un panonceau, ni un épitaphe, mais voilà, il y a une gravure qui indique Sire Godric Eirlis. Ça nous dit quelque chose ? Absolument rien. Bah, Eirlis, si, parce que c'est le nom de... C'est clairement, enfin, Eirlis, c'est le nom de la famille à travers le domaine, donc ça doit être un ancêtre ou un héros de cette famille. Ça, c'est... En fait, c'était le mec qui sortait les poubelles de la famille. C'est... Ouais, alors, après, vu la statue, vu la taille de. En fait, il a jeté la tête de loup. Ah, bah, si ça se trouve, c'est ça leur poubelle. Hein. Ouais, peut-être. Bah, oui, leur poubelle, c'est les restes de monstres qu'ils ont. Ouais. Ouais. En fait, les gars, ils vivent tellement de manière hardcore que quand ils vont sortir les poubelles, ils sont obligés d'affronter des hydres à chaque fois. J'ai aux toilettes, hein. Prends ton bazooka alors. Et si on fait un peu le tour du jardin on... C'est même pas un jardin, c'est vraiment une cour intérieure marbrée sur le sol. Ah ouais. Bah, pas. Je pense qu'on a fait un peu le tour du donjon, là. Enfin... À moins que on peut rester ici à essayer de trouver cette clé, mais si ça se trouve, c'est même Victoire qui a la clé. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'a rien trouvé de concret vraiment qui permet d'expliquer l'apparition de ces ghouls là. Bah, on peut.
On a trouvé une boîte où il y avait un maléfice qui a été libéré dedans, apparemment, ou quelque chose. Qui vole l'énergie vitale. On a tué une chauve-souris vampire zombie qui peut apparemment aussi transmettre la maladie des ghouls. Ouais, mais c'est pas ça qui animait les ghouls. Elle, c'est elle-même, je pense, cette chauve-souris, c'est elle-même une victime du sortilège parce qu'elle est devenue elle-même une ghoul d'une certaine manière. Donc, c'est possible, après. Je sais pas. Effectivement, si on trouve rien, on peut emmener ce qu'on a découvert à Victoire et Iris, c'est pour nous donner des indices supplémentaires. C'est ça, je veux dire, nous, on peut rester là. Vous manquez des informations, par contre, vous allez trouver des choses qui peut-être peuvent vous aider à trouver des informations. Mm. On peut encore fouiller un peu davantage quand même. On a fait toutes les pièces. Je veux dire, elle a dit, Victoire, qu'elle savait pas c'était quoi l'artefact qui déclenchait tout ça, donc ça va peut-être rien lui dire de plus qu'on lui montre la boîte. Ouais. Oui, mais le mec il s'était caché apparemment. Où on a trouvé le corps, je veux dire, c'est pas. Le mec, apparemment, il voulait se cacher. Ça se trouve, c'était un mec qui s'est dit ouais, non, de toute façon, c'est des conneries. Vas-y, je trouve cette boîte. Ça se trouve, il y a un trésor dedans. Et puis, ben. C'est un gros monstre. Espèce d'ombre, ça se trouve. On sait même pas si on l'a vaincu, l'ombre d'ailleurs. C'est caché dans les armures, on a détruit les armures, c'est devenu tout noir, mais on sait pas ce qu'est devenu cette ombre. C'est ça. Donc, pour moi, faut aussi, en retournant voir Victoire, si on évite que ce soit Zélius qui fasse de la diplomatie cette fois, on pourra peut-être avoir plus d'informations aussi. Parce que, on est là, autant continuer de fouiller. On a pas l'air de garder le tyran. Comme vous voulez. Ça peut être une idée. Enfin, ça coûte rien d'aller voir Victoire, lui montrer ce qu'on a trouvé, peut-être qu'elle peut nous aider. Si ça coûte, parce qu'on va se retaper le trajet avec des ghouls sur le trajet. Pas forcément, on les a fait fuir, les ghouls. Bah, à mon avis. Alors, il y en aura peut-être d'autres, mais. En plus, elles ont fui, elles sont pas mortes, donc elles peuvent revenir. Bah, là, de toute façon, on est bloqué, on a tout fouillé, on sait pas trop. On n'a pas d'idée. On a juste regardé une première fois, Enfin, je sais pas, le tyranneuil, on n'a pas regardé s'il y avait des trucs cachés dedans. Je sais pas. Dans un truc empaillé. Bah oui. On n'a pas trouvé la clé. Bah, ça se trouve, comme je dis, c'est peut-être Victoire qui l'a. Elle va pas te donner la clé au premier connard qui vient. Ouais, vas-y. Je propose, avant qu'on parte, on regarde, on retourne le tyranneuil empaillé si on trouve pas une clé dedans. Et puis voilà. On peut voir le petit balcon là. On a pas. Sauter du balcon. Lequel? Bah, juste là, dans la cour. Hein? Là, il y a un petit balcon à la cour. C'est ça. Oui, et on n'y est pas allé. C'est l'entrée qui était à l'ouest. Ouais, mais on n'y est pas allé. Non, on n'y est pas allé. Bon, on y va. On voit un balcon. Le tour, effectivement, c'est pas très loin. Vous arrivez, puis c'est un balcon. Voilà. Du coup, vous allez balcon... voir le tyranneuil pour... Après, il est sur une cheminée. Vous voulez essayer de décrocher? On peut essayer. Je sais pas, on peut voir. Moi, je vous accompagne, mais je le touche pas. En tout cas, ce balcon est toujours un balcon. Oui, mais il m'inspire pas confiance, le gros œil. Écoute. Je suis coincé, j'arrive pas à ouvrir la porte. C'est parce que pas de bras, pas d'ouverture de porte. Merci. Au pire, je pense que le balcon, il est pas très haut. Le côté gauche est un peu plus haut que le côté droit. Concrètement, pour moi, le tyranneuil, il est empaillé. Franchement, il est empaillé. Il y a pas de. Enfin, pour moi aussi, mais bon, je vous accompagne pour voir ce que c'est. Je vais peut-être essayer. Je sais pas, la fameuse statue loup avec les yeux en améthyste. Là, ça se trouve, il y a un truc qu'on n'a pas trouvé avec ça. Peut-être que c'est pas ça. Je l'ai prise et apparemment, c'était une statue tout à fait standard. Je l'ai examiné, c'était une statue tout à fait standard. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec l'ouverture de porte qui est en bas. Mais vu que c'était une clé, une statue, ça n'avait pas trop la forme de clé, quoi. Enfin, peut-être, hein, mais bon. D'ailleurs, on a fait une détection de la magie ou pas sur le tyranneuil? Non. Si, on l'a fait dans la pièce globalement, donc je pense qu'on l'aurait vu s'il était magique. Ah, t'es sûr, je me souviens. Oui, vous avez fait. Oui. Bon, on va fouiller cet œil, ce tyranneuil mort, et puis on n'en parle plus. Bah, en tout cas, vous retournez dans la pièce de la salle à manger, effectivement. Il y a le tyranneuil a bougé. Le tyranneuil n'a pas bougé. Ah. Ça, c'est parfait. Et du coup, vous faites quoi? Vous le décrochez? Vous voulez l'ouvrir pour fouiller à l'intérieur? Ouais, voilà. Eh bien,
À l'intérieur de ce tiranoï empaillé, vous découvrez de la paille. Ah, mais c'est génial. C'est super. Et avec la paille, et ben on déverrouille la serrure du tournant. J'aime bien, elle va rentrer, mais on aura vandalisé son truc. C'est limite si on n'a pas fait des tags sur les murs. Quand bon, non, juste regarder ce qu'il y a dedans, on l'explose pas. Je propose qu'on remette cette tête en place, du coup. Oui, bah oui. C'est pas un peu balèze, c'est pas lourd, c'est... Si, ça fait 50 kilos. Ah, ouais, quand même. Quand donc, on vous y mettra plus dur, effectivement. Ah, moi, je suis... 50 kilos... Ouais, je suis mage, hein, moi, 50 kilos, c'est gros pour moi. 50 kilos, c'est moins de la taille d'une personne, on va dire, ouais, poids normal. Porte une personne, c'est lourd, une personne. À deux, ça passe. On fait de la manutention, ouais, ouais. À deux, ça passe. Oui, à deux, ça passe, oui. Ton Arnaud, il va quand même pouvoir vous mettre. Voilà. Moi, je veux bien... Bon, bon, après, effectivement, en vous mettant à 2-3, vous arrivez à l'enlever et à la remettre. Ça, y a pas de... On n'a rien trouvé. Bah, plutôt que de rester bloqué pendant 3 heures, effectivement, aller voir Victoire, ça moi, me paraît pas une mauvaise voir idée. Victoire. Moi, ça me paraît pas une aura... mauvaise idée. On aura des infos. Statue avec les yeux en avec. Moi, je veux revenir dans l'hôtel. J'ai pas refouillé les pièces où on est allé après qu'on ait vu l'ombre. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est pas loin, bah, vu toutes les pièces qu'on a fait avec des armures, s'il devait se passer quelque chose, je pense qu'il se serait passé quelque chose. Bah, je sais pas, l'ombre a disparu, on peut essayer de voir si elle est ailleurs, dans une des pièces où on était déjà allé. On peut, après, moi j'ai plus de gros sorts, moi. Enfin, j'en ai encore quelques-uns, mais. Voilà, c'est. Après, globalement, les pièces que vous aviez visitées avant de venir ici, c'était la chapelle, la crypte, la bibliothèque avec tous les trucs de chasseurs de monstres. Donc, pour moi, on va plus perdre du temps. Enfin, on peut toujours rester là. Et puis... Oui, on y est. Ça prend quoi? Ça prend 5 minutes. Parce qu'on a déjà tout fouillé, quoi. C'est ça le truc. Du coup, on aura plus d'informations. On allait voir Victoire. Et peut-être. Puis... Déjà, on passera moins pour des brels. On va lui prouver qu'on peut revenir et qu'on a éclaté ce qu'il y avait dans son manoir. Ensuite, on va peut-être avoir plus d'informations complémentaires parce qu'elle n'a pas dit qu'elle savait pas, qu'elle connaissait pas aucun objet. Elle a dit qu'elle savait pas quel objet. Précisément, c'est ça. Ouais, moi je suis d'accord. On va lui. Ça se trouve, elle sait ce que c'est parce qu'elle a lu les écrits de sa famille. Elle a jamais combattu, mais elle, peut-être qu'elle. Est-ce que t'en parles? Est-ce qu'on pourrait pas aller dans la bibliothèque voir si on trouve pas un livre qui parle de cette boîte? Je sais pas. Le truc, c'est que vu que j'avais demandé si on pouvait faire ça. Bah, le truc, c'est que tout le rapport avec les goules et tout ça. Et... Bah, c'est ça. Maintenant qu'on sait que c'est cette boîte et qu'on sait les runes qu'il y a dessus et tout, on peut peut-être. On peut essayer. Je suis ouvert, moi. Bah, allons-y alors. On essaie de fouiller, revoir, checker la bibliothèque, voir si on trouve pas effectivement quelque chose sur cette information sur cette boîte. Ce qu'elle pourrait renfermer, ce qu'elle aurait pu renfermer avant, je sais pas. Donc, vous vous rendez dans la bibliothèque? Mais il n'y avait pas d'index, il n'y avait rien, du coup, Et il y a toujours des livres, il y a toujours des étagères. Il y a toujours des livres, il y a toujours des étagères, effectivement. Est-ce qu'il y a des livres, on remarque qu'ils ne sont pas écrits en humain? Bien sûr, il y a plusieurs langues. Bah non, tout ce qui est déjà en nain, parce que la boîte est des runes naines. On s'en prend déjà sur le nain. Il y a beaucoup de nains. Il n'y en a qu'un dans le groupe, il n'y a que moi. Non, mais de livres nains, de parchemins écrits en nains. Alors, bah, du coup, vous retournez à la bibliothèque, si c'est bon pour tout le monde. Si ça convient à... Ouais. Bah oui. Déjà. Et vous commencez un petit peu à regarder, effectivement, les titres des livres, cette fois, en essayant de voir s'il y a quelque chose à attirer plus votre attention, notamment des livres nains. Et vous allez... remarquez en tout cas pour ceux qui parlent alors le titre est pas en nain, mais il y a peut-être un titre qui attirera votre attention. Le nom du bouquin, c'est La prison d'airain. Ah. Effectivement, la boîte était en airain. Oui. La boîte est en airain. Et puis c'était écrit prison dessus. Oui. On peut essayer de... Le livre est pas en un en lui-même, tu dis. Alors, en lui-même, quand tu regardes, le livre est pas en un, non. Donc, le titre, mais quand on le parcourt, c'est les écrits standards. Oui. Et bien donc, notre érudit Eisenhorth pourrait le lire.
Bah, il est écrit en commun, le livre. D'accord. Tout le monde peut lire, mais ouais. C'est ça. Et bon, on le lit, alors. Mais qu'est-ce que ça dit, ce livre? Ça va être décidé. Alors, apparemment, si vous déjà lisez un petit peu en diagonale le livre, ça parle effectivement d'une cité céleste naine qui se trouvait dans les montagnes des Cinq-Croix. Donc c'est une chaîne de montagnes pas toute proche d'ici, mais voilà, qui est connue il y a pas mal de nains. Et ça parle du coup effectivement d'une terreur, plutôt d'une malédiction, de quelque chose qui s'est abattu sur l'une de ces cités. Et en fait, ce livre, en gros, retrace un peu l'aventure d'un membre de la famille Alice. Apparemment, c'est écrit de sa main, qui s'est un peu occupé de cette problématique. Et effectivement, le livre parle de la cause de ce qui est arrivé là-bas. Il y avait là-bas, en l'occurrence, hein, ce qui est décrit, c'est que une ténèbre surnaturelle s'est abattue sur la région, et que cela attirait en masse des morts vivants. Et d'ailleurs, même que les mineurs nains, les mines, se sont retrouvées infestées de ghouls et d'autres spectres. Et là, par contre, ça parle de morts vivants bien plus puissants aussi que juste des ghouls. Hein. Ça parle d'âmes en peine effroyables, de spectres. De. Ah, du coup, là. Relativement puissant qui s'élevait. On est en mode soft, là, quoi. Et du coup, à force de lire un petit peu, vous voyez que tout ça était dû à une ombre. À une espèce d'entité, ma foi, très puissante. Et qui, en plus, gagnait en puissance sur le temps. Ah. Et ouais, plus le temps passait, en fait, plus les événements, plus les créatures qui attaquaient la ville étaient de plus en plus puissantes et de plus en plus dangereuses. Et en gros, le livre explique que nombreux d'aventuriers, de guerriers nains de l'endroit ont essayé un peu, déjà prenaient surtout leur temps à défendre la ville, et plusieurs aventuriers et autres ont essayé, ma foi, de défaire ce mal, son succès. Et finalement, le chevalier Irlis qui s'y est aussi frotté, qui d'ailleurs a échoué son combat, hein, mais a pu s'enfuir et a survécu, a finalement réussi à l'aide d'un artisan et érudit en magie nain, à créer, en lui décrivant un truc, en fait ils ont créé ce qu'ils appellent la prison d'airain, pour pouvoir essayer de plutôt, comme ils n'arrivaient pas à détruire l'entité, à l'emprisonner, en se disant que ça suffirait peut-être à arrêter... arrêter tout le merdier. Et donc, ils décrivent effectivement la prison d'airain, qui, dans la description, correspond tout à fait à la petite boîte que vous avez trouvée. Et... Est-ce que ça nous dit comment elle marche? Jusqu'à ce qu'un guignol décide de la libérer. Tout ouais. À fait. sauf que le truc, il faut... ce qui est expliqué, ici, c'est que déjà, il faut avoir la boîte ouverte. Et voilà, pour déclencher le sortilège qui emprisonnera l'ombre, ce qui peut prendre un petit temps, en tout cas, il explique dans le livre que le rituel a pris une bonne heure et que pas mal d'aventuriers qui étaient là pour occuper les morts vivants et l'ombre ont péri en essayant de protéger en fait hein, l'érudit nain qui a pratiqué le rituel. Qui en fait la boîte aspirait peu à peu l'ombre, mais comme elle était colossale, là il parle d'une ombre qui faisait la taille d'un énorme bâtiment. Hein. Le truc était vraiment ultra costaud, très très loin de ce que vous avez vu en tout cas. Et en gros, il suffit de poser la boîte au sol et de se concentrer, de réciter des phrases. Magique, simplement jusqu'à ce que la boîte parvienne à emprisonner l'ombre. Hein, évidemment, la phrase magique, c'est Mafuba. Non, pas du tout. Petite référence à Dragon Ball. Par contre, la phrase magique est indiquée. Le truc, c'est que celle-ci est écrite en naine. Forcément, ça a été fait par des nains, donc c'est une phrase naine. Donc là,
quelqu'un qui parlerait pas le nain comprendrait pas bien et aurait du mal à dicter le truc, mais comme vous avez parmi vous en tout cas un nain et quelqu'un qui parle en tout cas le nain, vous aurez aucun mal, en tout cas vous deux, à réciter cette formule. Cette histoire ressemble un petit peu à ce qu'on entend, ce qu'on observe ici. Exactement. Bah, j'imagine que ce serait mieux que ce soit Eisenhower qui lise la phrase, parce que... Et moi, je ne sais pas lire le nom. Je pense que ce serait plus utile en tapant qu'en lisant. Par contre, il est bien spécifié dans le livre que la boîte ne doit être en contact avec aucun être vivant lors du rituel. Ah. Ouais, donc il faut... Donc on la pose, on la touche plus, et puis... C'est ça. Voilà. Peut-être devrions-nous retourner dans la salle du fauteuil où nous avons vu cette ombre surgir. Alors justement, le truc, c'est que... Est-ce que vous êtes chaud à tenter de le faire maintenant ou de revenir avec des renforts pour le faire? À quel renfort? En expliquant à Victoire comment procéder, venir, on revient reposer, frais, parce qu'une journée, c'est pas ce qui va... En une journée, je pense pas que l'ombre, elle va passer de... grande à immeuble. Alors non, par contre effectivement de jour en jour elle va gagner en puissance. Voilà. Et déjà demain elle sera plus forte qu'aujourd'hui. Demain elle sera peut-être plus forte qu'aujourd'hui, mais demain nous on sera frais. Ah mais les morts vivants vont revenir là, on les a vaincus, ils n'auront pas le temps de revenir. Oui, mais revenir avec du monde. Ouais, des morts vivants. On sera plus nombreux. Quel monde en fait, c'est ça qui est bizarre. Bah, des gens du village. Ils ont tous la trouille. Super, ils résistent de se faire tuer. Mais bon, le truc c'est que je sais pas. Est-ce que l'ombre, quand elle va venir, est-ce qu'elle peut invoquer des créatures? Est-ce qu'elle va revenir avec... Si elle revient et qu'elle refait popper des armures, des trucs comme ça... Ah voilà. Si vous voulez, on peut le tenter, le rituel. On peut le tenter maintenant. Je suis pas chaud de le faire. Je suis pour le tenter maintenant. Je sais pas, qui va vouloir nous suivre? Ils ont tous la trouille. Ouais, ils ont pas voulu... Si t'as plus soeur, justement, c'est toi qui fais le rituel. On peut leur expliquer qu'on a un moyen d'arrêter ça. Mais qu'on a besoin d'aide. Pour être sûr, on a besoin d'aide. Oui, mais moi, je pense vraiment qu'ils vont se faire tuer et que ce serait dommage, en fait. Ils n'ont pas voulu nous suivre au début, ils n'ont pas voulu voir... C'est pas qu'ils n'ont pas voulu nous suivre, c'est qu'on y est allé sans leur dire. Ouais. Eux, ils protègent leur famille, ils sont regroupés pour se protéger. Il y a des goules dans le chemin, on va tous se balader, on va se faire attaquer. Oui, c'est ça, en fait, on va se reprendre toutes les goules, et puis pour un coup, on aura moins de chance qu'à l'aller, on va se faire paralyser. Comme vous voulez, si vous voulez qu'on le tente maintenant, on le tente maintenant, mais voilà. Moi, je préférerais qu'on tente. Moi, je suis pas chaud pour le faire maintenant, mais si le groupe veut qu'on le fasse maintenant, on le fait maintenant. Honnêtement, j'avoue que je préférerais le faire maintenant, c'est vrai que... Ouais. Il y a juste un truc, on a fouillé le trône après l'avoir fait cramer. Hein. Bon, vous avez fouillé un peu, mais il y avait rien, pas grand-chose. Okay. Okay. On retourne dans cette salle, on pose la boîte au sol et on essaie de commencer le rituel, voir s'il se passe quelque chose. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose, hein, mais... C'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Et par contre, je pense que quand on commence un rituel, c'est pas en mode attends, on sauvegarde, on revient plus tard. Ça, c'est ça pendant tout le jeu de rôle, de toute façon, ça. Donc, voilà. Hein, c'est, si de toute façon, là, vous avez le petit logo en bas à gauche de l'écran qui indique sauvegarde automatique. Puisque c'est sur ces découvertes dans ce livre qu'on va arrêter cette session. Et on reprendra effectivement la prochaine fois, a priori, pour votre tentative de régler une fois pour toutes ce problème. Maintenant que vous savez de quoi il ressort. Et du coup, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, des bisous partout, et à la prochaine.